Racing, certes. Lucas. Allez. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. This is Sparta. T'arrives à un boulot pour moi. Ok, alors on appelle moi boulot. Ok, en italien. Alhamdulillah. Ça va, ça va. Vous les Français. Pour nos frères et nos sœurs palestiniens et tous les gens opprimés dans le monde. Putain, c'est bon, c'est la trique. Ouais. Alors, salam alaikum les gens, ça va, vous allez bien? Bah, c'est Mvenicieux 692. Mesdames et messieurs, big dédicace. Big dédicace aux frères de Tours. Jouez les tours, big dédicace, on applaudit sur la tête de ma mère. Dreux, Évreux, on applaudit toute cette zone. Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle, big dédicace à eux, big dédicace à tout le 45. Ils nous regardent beaucoup, Marabi, ils sont là en France. Voilà, c'est ça qu'on veut. Strasbourg aussi, big dédicace, les frères de Strasbourg de la zone, à Haguenau, Nancy, Metz, big dédicace aussi, ils sont beaucoup, Belfort, à nous regarder. Je suis heureux de vous retrouver. Ça va les gens, vous allez bien? Impeccable. Hamdoulah en direct de la Costa Blanca, t'es un bon toi? Eh oui, alors, Messi à Paris. Bon bah écoutez, il y aura plus de sacs à main, il y aura plus de beubeux de merde, il y aura plus d'opportunistes de merde. Là il y aura plus, voilà quoi, c'est bon. Après, où tu veux qu'il aille d'autre? Qui c'est qui peut ralasse? À part Paris, qui c'est qui peut ralasse? Bon. C'est bien pour la Ligue 1, c'est bien pour les droits TV, c'est bien pour tous les sponsors, les ventes de maillots, ce qui va aller. Et c'est surtout bien pour les joueurs de Ligue 1 que quand ils vont jouer contre Paris, ils vont se transcender. Je trouve ça très bien, moi. Je trouve ça très très bien. Big dédicace. La tournée jaune. La tournée jaune. Oh putain, bientôt la tournée jaune. La tournée jaune. Allô? Allô, allô? Ouais, ouais, bon, d'accord. Ok. Alors, attends. Attends, qu'est-ce que c'est que... Je voulais vous parler d'un truc. Ouais! Ça y est! Basic Fit, la putain de... Attends, on va trouver Haja. Attends. Tu te rigoles ou quoi? Te rigoles? C'est excellent. Écoutez-moi bien sur la tête de ma grand-mère. C'était avant-hier. Ouais, je vais à l'entraînement et tout. Tiens. Je rentre et je repère tout de suite les éléments perturbateurs. Tu vois, j'essaye de regarder direct. Coucou. Ce qui est susceptible de... Ah, moi, je sais pas qui c'est, lui. Hein. Il y a une meuf, t'es une bebe, une merde. T'es là, à la salle et tout. Puis, je sais pas pourquoi, quand je suis rentré, elle se sentait mal. Moi, j'ai pas remarqué sa présence. C'est en traversant la salle que je l'ai vue. Elle était dans la machine où je voulais aller en plus. C'est du délire, tu vois. Donc elle arrive et tout. Hein, et j'ai dit, elle, la tête de ma grand-mère, elle va prendre en photo. Or que son mobile, que ça n'a pas loupé. Quelqu'un que je connais, une copine à elle, m'a envoyé une photo. Où tu me vois, je suis de dos, elle m'a pris en photo. Et Zama, elle disait là. Vous allez voir. BF, Basic Fit, vous allez... Y'a Bibi, là, avec vous. Je suis inscrit dans votre club. Oh, putain, ça va chier. Sur la tête de ma mère. J'adore. T'es là, tu fais ton entraînement. Elles sont pas tranquilles. Elles peuvent pas tourner autour de Nelson. Parce que je suis là. Wallah, je vais rien lâcher. Je vais me piquer, je vais rien... Je suis là. Je fais les entraînements avec vous. Je te demande même combien il te reste de tours. Elle est belle, hein? Attends, par Allah, attends. L'atmosphère, elle va changer, la salle. Il n'y aura que la TH. Là, ça commence un petit peu à... Tu sais, ça fait des signes de loin. Des blancs,
Des Renois, des meufs, elles me font signe de loin, genre on est Hlib. Oh là 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 là. Ah, elles se sont passées le mot, hein, sur la vie de ma mère. Hein. Je vais pas vous louper. Et quand je vais réserver, parce que j'ai entendu, n'oubliez pas qu'il y a un espion qui travaille dans la salle, j'ai entendu qu'il y en a, et comme par hasard, les yeux de ma mère, c'est que des maghrébines, elles demandent à quelle heure je réserve le plus. Oui, comme ça, on l'évite, comme ça. Ouais, tranquille. Même quand je serai pas là, il y aura les yeux du Hlib qui seront là. Alors là, bientôt, on va faire... Ouais, on va faire un truc... Non, bien, bien, très bien. Non, mais Wallah, tu planes avec moi. Wallah, les frères, ils font leur entraînement. Ils me regardent, des fois, ils rigolent. J'ai dit, bien là. Je dis, non, bah, c'est juste, je pensais quand t'avais dit ça et tout. Non, non, bien. Alors... pourquoi tu... Bah, alors, je ne savais pas qu'ils avaient... Je ne savais pas qu'ils avaient... transformer les églises, je l'avais dénoncé, j'étais pas inscrit, je ne le savais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, là-bas, non, pour l'instant, je vais trouver une solution. Par contre, il y a une chose qui peut exploser, là. Mais bon, si vous le déclarez, vous allez être obligé d'être en conformité. Les salles de muscule clandestines, c'est pas mal, ça. Mais il n'y a pas assez de machines. Le seul problème... Wallah, c'est que les gens, ils disent « Ouais, Bassem, moi, je vais faire la musculation comme à l'ancienne. » Oui, je sais, frère, t'es motivé, psartek. Mais c'est pas la salle. La salle, il y a l'ambiance, les gens. Pendant que t'as fini la série, tu regardes l'autre en train de pousser. Tu regardes l'autre entrer. Tu serres les pognes. T'es là, il y a de l'ambiance. Les gens, ils se motivent entre eux. T'sais, c'est... Non, il y a Bassem maintenant. C'est, ça peut être sa mère. Ah, c'est une cour de récré. Wallah. Mais qu'est-ce que tu me dis, la gonflette? Pourquoi tu me dis la gonflette? Une bastose, vous êtes mort. T'as rien compris, mon frère. La musculation, c'est pas la gonflette. Moi, mon frère, je fais de la musculation. Je sors de la salle. Wallah, j'ai un renouf. Je mange des tacos, je m'en bats les glinches. La musculation, c'est un train de vie, frère. Tu te lèves à midi, tu te lèves à 10h, à 8h, tu sais que t'as ta séance là, tu te prépares, t'es content, c'est une philosophie de vie, tu vas à la salle, tu es dégoûté d'y aller, mais dès que t'en sors, t'es méchant content. Tu comprends pas, parce que t'es un enculé, toi. Donc arrête de me parler de bastos, de gonflettes. Non, on parle d'une philosophie de vie. Wallah, c'est ça la muscule, c'est une philosophie de vie. Tu croises des gens que tu connais, tu pousses avec eux, tu... Mais non, wallah. Eh ouais, bref. Exactement, c'est ça Halim, voilà, il y a Rachid, Halim, c'est des gens qui poussent. Tu mesures combien, Khouya? 1,93. Non, mais moi je sais ce qu'on va faire. Oh, les frérots, à la salle où on va... Bientôt, vous allez voir, ils vont tout faire pour me mettre à la porte parce que j'aurai trop réuni de gens. Déjà, rien que comment je commence à faire mon entraînement, je vois les frères, il y a des regroupements. Il y a des regroupements. Ça va, mon frère? Salam, mon frère, ça va bien? Bien. Oh, grand, oh. Il y a même Janine, il me semble, la tête de ma mère. Elle est en train de faire le rameur. Elle me dit, il me semble vous avoir vu. Je ne sais point pourquoi elle me dit comme ça. Je crois que c'était pour quelque chose de pas très catholique. La tombe de mon grand-père, elle me parlait comme ça. Moi, j'étais en train de feinter et tout. J'avais un cafouillé, effectivement. Ouais, non. Non, non, la tête de... Non, les frérots à basique, ça travaille. Wallah, ça travaille. Wallah, dans la grande salle, ça travaille. C'est silencieux. Personne n'y parle avec personne. Ça redem. Les femmes, elles font leur exercice. Elles calculent personne. Il n'y a pas de beaufs. Tu sais, des beaufs qui arrivent. Tu sais, les beaufs, tu les reconnais, les beaufs à la musculation. Ouais. Il y a des beaufs à la muscule. Ah, bien sûr. T'en vas parler d'eux un peu. Ah, tu ne vois pas qui c'est les beaufs, non? Ceux qui te serrent la main. Ceux qui te serrent la main. Tu sais, ils sont comme ça. Ça y va, grand? Ça y va? Il a un Marcel Gold Jeans, mais il a des Kalenji. J'ai jamais compris.
La vie de ma mère. On va parler de. Ouais, de. Ouais. Bref. Allô? Hamid, écoute-moi, Hamid, écoute-moi, j'ai une gamelle! Allô? Allô? Oulala, j'ai pas compris. Tu nous as fait quoi là? Non, mais c'est pour savoir si t'étais down en fait. Ah ouais. Allô, putain, je l'ai marqué au fer rouge quand même. Hein. Allô, allô? Allô, allô? Ouais, je bosse bien. Allô, allô? Allô, allô, tu m'entends? Ouais, ça va, tu vas bien? Et toi, Rouillant? Impeccable? Wesh, alors ça pense quoi là pour Messi là? C'est vrai, t'es content, toi? Allô, allô? Ouais. À l'huile, rien à foutre. Allô? À l'huile, rien à foutre. C'est Amélie là? Allô? Allô, oui? Vas-y, Non, allez. Wallah, c'est incroyable. Ils font là. On dirait que je suis la CAF. À l'ouverture, il n'y a que des cassos qui sont devant. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Bassem, déjà, je voulais te dédicacer dans tout ce que tu sais, force à toi, frérot. Merci, frérot. Voilà, en fait, moi, je représente tous les Turcs de France Tu aussi. représentes qui? Dédicace. Tous les Turcs de France, dédicace à Tous eux. les Turcs de France, Tous ok, tu les les représentes. Turcs Qui de t'a France, dit? Je Mulhouse. comprends. Mulhouse, Mulhouse, ouais. D'accord. Big voilà, dédicace, les frérot. Kardèches, ouais. Voilà, Bien sûr. big dédicace. Je voulais savoir aussi. Est-ce que tu pourrais mettre le drapeau, tu sais, derrière les drapeaux Turc? maghrébins et la France? Voilà, le drapeau turc aussi. Mais non, parce que si je Parce que mets le c'est notre drapeau radio aussi, turc. c'est notre radio aussi. Je veux dire. Non, mais c'est votre radio aussi. Mais si je mets le drapeau turc, frérot, je dois mettre le drapeau aussi des autres pays qui nous suivent, les Espagnols, les Portugais, les Italiens. Je dois mettre les Bulgares qui nous suivent. Il y a des Bulgares qui me suivent. Je dois mettre aussi les drapeaux des frères Renois qui me suivent aussi. Alors à ce compte-là, on avait pensé à faire un truc où il y a tous les drapeaux, mais c'est compliqué à faire. Donc, C'est vrai. évidemment, même si le cœur il y est, je mets le Maghreb avant tout. La France, parce Ok. que je suis français. La France, parce que je suis français. Fier d'être un français. Ouais. Et le Maghreb. Ouais, bien sûr. Bien sûr, Voilà, bien frérot. sûr. Ouais, ça marche. Voilà. Je voulais juste te donner la force, tu vois, ça arrête de me faire Merci, mon peur. frérot. T'es un Ouais, ça bon. arrête. Big dédicace. Ouais, Vous êtes une bonne communauté, frérot. vas-y, la classe. La classe, vas-y, bisous, ciao. Voilà, tiens, mon frère. Ouais, il y a Osgur. Ouais, frère Osgur, bien sûr qu'il va parler à la radio. Le franc du Osgur. Wallah, la classe. Les Kardeş qui khedem, building. Un dentiste. Mashallah Ali, wallah. Wallah. Attends. Allô? Allô? Aïe, aïe, aïe. Allô, Selem? Je t'entends très mal, frérot. Salam alaikum. Aleykoum Selem, je t'entends pas très bien, frérot. Essaye de bouger un peu. Attends, je vais bouger. Tu penses quoi des passes sanitaires achetées? Tiens, on en reparlera de tout ça. Ouais, Bassam, ça va? Ouais, mon frérot, impeccable. C'est pour te dire, en fait, que t'es très... comment dire? On te suit beaucoup sur un forum sur Internet. Ouais, et T'es suivi, en fait, t'es très connu sur le forum du 18-25 de jeuxvideo.com. T'es super célèbre dessus. ah, En c'est fait, vous si tous tu qui veux... appelez là? C'est vous Non, qui appelez? non, 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 Si, si, non, je si. t'explique, en fait. Je t'explique Mais je sais, dessus. tu me parles de ça, je sais, on a mis des gens là-bas. On sait très bien. On sait très bien qui c'est qui vient et qui fait des bœufs. Venez, on appelle la radio Abassem. On vous aime bien. Non, Aucun non, en problème, fait, je frère. t'explique. Parce que c'est une communauté, on s'appelle les Rey. Les Rey du 18-25. Et toi, tu fais partie d'une des célébrités du forum, en fait. D'une des personnes. Allez. Allô? Parlez-nous de bonnes choses, voilà. Allô? Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Allô? Oh, Bassem, t'as des dents jaunes dans la crème de punk sans cheveux. C'est eux le forum là. Allô?
Ouais, ça m'a raconté, frérot. Comme c'est l'un, frérot. Ouais, ça va quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va. T'es cassos ce soir, hein? Ah, c'est normal, ouais, ils veulent l'habit à papa, frère. Tous les soirs. Calme, faut l'habit à papa. Attends. Ouais, frérot, donc. Ouais. Non, mais tranquille, wallah, ils sont le bienvenu. Wallah, ils sont le bienvenu. Je préfère qu'ils planent sur ma radio, même qu'ils me rendent fou, moi. Au moins, pendant qu'ils me rendent fou, ils sont pas dehors, ils sont pas. Bref. Ouais, c'est genre. Mohim, petite question, je t'avais posé la question sur Snap. Tu penses quoi, toi, comment dire, de l'avenir de ceux qui sont propriétaires en ce moment, ceux qui viennent d'acheter une maison, etc. Est-ce que c'est le bon plan? Est-ce que tu conseilles? Putain, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, ça. D'ailleurs, alors frérot, c'est tellement une bonne question que je vais me renseigner, voir si les achats, voir s'il y a des gens qui investissent. Ça pourrait être très intéressant de voir ça. S'il y a eu une chute de l'investissement. Si au contraire... En fait, de ce que j'ai vu pour l'instant, ce qu'on m'a dit, c'est que les gens sont toujours intéressés. C'est juste les banques qui chaînent neuf. Les banques, maintenant, elles ont fermé les verrous. C'est, t'as pas d'apport, casse-toi. T'as pas de truc, tu bouges, tu vois. C'est plus par rapport à... Alors, on sait tous que le pass sanitaire fera partie d'une condition de crédit maintenant. Tu sais que moi je l'ai vu à la salle. Mmh. À la salle cet après-midi, j'en parlais avec des frères. Je venais de recevoir l'information. Oh les frérots, Basique c'est mort. La vie de ma mère, oui, ils mettent les passes à partir du 9. Les tests PCR, c'est pas grave, on jonglera dessus. Mais. Fallait voir la réaction des gens. Je pense pas que tout ça, à force de perdre trop d'oseille, ils vont pas assouplir le truc. Pas du tout, pas du tout. C'est très bien avec l'argent. Vous comprenez rien. Pas du tout. Les frérots, vous comprenez rien. Demain, on va faire une salle, toi et moi. Mm-hmm. Je vais donner un exemple. Prends tous les gens de Basic Fit, là où je suis. Mm-hmm. Ramène-les dans une salle que t'auras ouvert toi. Tu verras que de jour en jour, il y en aura moins. Parce que les gens aiment bien leur repère. Leur repère. Surtout ceux qui font du sport savent que salle, c'est comme les boîtes de nuit. C'est comme les boîtes de nuit. Avant, les gens, ils squattaient toujours la même boîte de nuit. Et quand ils allaient ailleurs, ils ne se sentaient pas bien. Et ils disaient toujours, ah, la semaine prochaine, je ne reviens plus là-bas. Et ils y allaient. C'est comme la salle, c'est pareil. Donc moi, je pense, wallah, je pense que pour garder leur confort, les gens ne vont pas hésiter. Et tu verras la tendance, c'est que les gens vont s'en vanter. Ça y est, je l'ai eu, c'est fantastique, j'ai eu le permis de tuer, ça y est, je l'ai eu. Ça y est, c'est bien. Ils vont être contents de l'avoir. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, toi? Manifester un samedi? Tu veux faire quoi avec ça? Non, c'est du vent. Mais pour en revenir à la question, c'est est-ce que tu penses que, tu sais, par rapport à... Même si on voit loin, etc., ces grands risques financiers, etc. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui va différencier un mec à qui il reste 15 ou 20 ans à payer d'un mec qui est en location? Qu'est-ce que. Enfin, tu vois, quels sont les risques? Est-ce que le mec, il a mieux à être propriétaire? Est-ce que ça. Alors, il y a Fessia Style, Géblia, c'est ça? Qui me dit les gens attachés par cette Dounia. Machallah, toi, t'es pas attaché? Non, mais je parle à elle. Machallah, t'es pas attaché, toi. Mais non, mais elle est pas attachée, elle. Elle vit d'amour et d'eau fraîche, cette connasse. Tu vois, les gens qui disent cette Dounia, mais vous êtes consommateur de cette Dounia, bordel de Bordeaux. Pourquoi vous vous cachez toujours derrière le deal, mesdames et messieurs? On est tous attachés à cette Dounia. Fessia, toi la première. T'es connecté, c'est la Dounia. Tu payes le réseau, c'est la Dounia. Putain. Je te jure. Putain, elle est pas attachée. Bref, à la Dounia, qu'est-ce qu'elle fout sur ton qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Ça, c'est la liberté bien pensante des réseaux, frère. Des réseaux. Aujourd'hui, les gens, ils veulent, même si tu le penses pas, tu dois le dire. C'est ça, les réseaux. Ouais, c'est ça. Même si tu le penses pas, tu dois le dire. Mon frère, les réseaux, et on va parler vite fait rapidement de ça, parce que j'aimerais rebondir sur un truc. Il n'y a pas plus monde de fils de pute que les réseaux.
les gens qui t'ont envié dans les réseaux essayeront de te toucher sur les réseaux. Et tu sais que ces gens-là étaient toujours autour de toi que pour les réseaux. Il y a une affaire, là, en ce moment, là, j'ai reçu des vidéos, c'était hier. Bon, moi, j'affiche pas ces vidéos-là, je rentre pas dans ce truc-là, en gros, je m'en bats les couilles. Je ne suis pas quelqu'un qui tire sur l'ambulance et qui parle sur quelqu'un pour essayer de me montrer. Non, moi, j'ai jamais parlé des gens. J'ai jamais parlé de un tel, pour essayer de me faire entendre. Non. J'ai vu une vidéo de Sax. Apparemment, à Marbella, il se fait haga. Bon. J'ai envie de te dire. Moi, j'ai parlé à des gens proches. Ouais, Bassem, il devait des thunes. Ah, Bassem, si, ça, ça. C'était le premier à dire. C'était le premier à dire, ouais. Le cirque, je sais pas quoi, les mecs, ils entretiennent des escortes, alors que lui, il savait pas que la femme avec qui il était, elle était escorte. Bref, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Il me dit, wallah, il nous devait du bail, il s'est sauvé. Il dit, mais les frérots, moi, j'ai une question. Pourquoi vous le filmez? Ouais, mais moi, Bassem, je suis pas dans les réseaux. Mais pourquoi tu filmes? Tu dois faire un travail. Pourquoi vous filmez? Pourquoi vous mettez sur les réseaux? Pourquoi il y a toujours un sac à main avec toi quand tu vas à gare entre maghrébins? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours lui qui filme? Pourquoi? Frérot, alors à ce compte-là, tu cherchais les réseaux. Vous êtes jaloux de certaines personnes qui sont sur les réseaux parce que vous voulez leur réseau. Mais on vous l'a expliqué mille fois. Moi, le mien, Rabbi Amini, je vous le donne. Faites ce que vous avez à faire. Et on verra. Je vous dis, c'est inné. C'est pas comme ça que ça marche. Surtout pour les hommes. La femme, c'est facile. Gros cul, gros sein, bon. Mais l'homme, mais les hommes, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, j'ai envie de te dire, frérot, c'est ça qui me tue. C'est que cette vidéo fuite par un sac à main. Frérot, c'est ce que je lui ai dit, moi, au phone. Parce que les yeux de ma mère, à 1h35, j'ai reçu cette vidéo. C'est des gars du 9-2 que je connais. Il y en a, il m'a dit... J'ai répondu au tel, il m'a dit, Bassem, j'ai un truc. Je lui ai dit, frérot, j'en ai rien à foutre. Il me dit, ah, je savais que t'allais me dire ça. Je lui ai dit, wallah, j'en ai rien à foutre. Je lui ai dit, maintenant, je veux juste savoir une chose. Il a fait quoi? Entre nous. Wallah, Bassem, il devait y avoir des thunes. Ok, bon. Tu devais la gare, aucun problème, ça c'est entre vous. Pourquoi tu le filmes? Mais c'est pas moi qui l'a filmé. Je lui ai dit c'était qui? Parce que le mec avec qui il s'embrouille, lui, hein, avec qui il s'embrouille, lui il s'en bat les couilles des réseaux et tout le reste. En fait, c'est le sac à main qui était à côté de lui qui a filmé. Et c'est lui qui a mis sur ses réseaux. C'est là où je vous dis le danger. C'est là où je vous dis les yeux de ma mère. C'est là où je vous dis les yeux de ma mère, le danger. Le danger. Quand j'ai vu l'affaire de Brahim avec les frères du Maroc, je pleurais du sang. Je pleurais. Wallah, je pleurais. Mais je pleurais pas. Je pleurais parce que je savais ce qui se tramait. Quand on m'envoyait des commentaires, j'ai des gens de partout. Information en temps réel. Même celui qui est censé nous ramener les infos, lui-même, il est surveillé. C'est la Corée du Nord. Alors, et tout se passe bien. Quand je voyais des commentaires des autres communautés, ouais, il faut pas faire ça entre vous, et juste en bas, une Marocaine dire, va dire ça aux Algériennes, une Algérienne qui répond, mais c'est eux, les Marocains, qui font que... Et lui, il se frottait les mains, ce fils de pute. Non, mes sœurs, je pleurais du sang. Les yeux de ma mère, je pleurais du sang. Mais ça, faut pas oublier. Quand je vois qu'il y a des gens, quand je vois qu'il y a des gens qui ont pris, ouais, mais quand je vois qu'il y a des gens qui ont pris position. Moi, Bassem Braiki, j'ai été traité de pro-algérien, de anti-marocain. J'ai été traité de moi, alors que moi. Le Maroc, non, mais hors c'est sujet, frères... en fait, faut non, c'est hors sujet, mais ça, c'est l'effet faible maghrébin, ça, frérot. Moi, les Marocains, je les ai, frérot, les Marocains, je les ai toujours aimés, je les ai toujours appréciés. Quand j'ai fait la vidéo à l'époque sur le roi, Oksomo Billah il Adim, c'est ma manière de parler qui fait que les gens, ils pensent qu'on se moquait, mais pas du tout. Je comparais avec ce qui devait
être comme Hassan II. Dans la... Je parle pas de l'histoire, je parle de la stature, je parle de la... Un roi ou un président de la République, il pose pas avec des influenceurs. C'est un roi. El Malik, frère. C'est pas comparer, c'est pas la même époque. C'est grave. Et puis tu vois, et alhamdoulilah, frérot, moi, il y a un rappeur, il avait mis une ligne marocaine dans sa musique. Orso Mobile, il y a les vidéos encore. On l'a appelé, on lui a dit, ça va te niquer ta mère là où tu vas chanter. Il l'a enlevé. Alhamdoulilah, je suis fier. Moi, le Tounsi, je suis fier. Grâce à l'appui des Marocains qui étaient là, fier. Bruxelles, je suis passé en éclair. Ça me faisait la bise de la gare jusqu'à Molenbeek. Wallah l'adim, frérot. Alors, ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui se disent le Maroc a besoin de personne, les Algériens ont besoin de personne, les Tunisiens ont besoin de personne. Alors certes, vous ne comprenez pas les Marocains qui me disent le Maroc n'a besoin de personne. Non, on sait très bien que vous n'avez pas besoin de moi. Pas du tout. Mais moi, je suis content de combattre avec nous, pour nous, contre les autres. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas vous, c'est contre les autres. Après nous, entre nous, dans le Maghreb, tu veux pas me servir un thé? Il n'y a pas de problème, frérot. On est entre nous. Mangeons-nous entre nous. Mais quand les autres arrivent, on doit faire bloc. Quand je dis les autres, attention, les gens, ils voient direct les... Ouais, ouais, je parle des swags. On doit faire bloc. Bloc. Mouj Goudem El Nes. Quand je vois des gens surfer sur cette affaire, en faisant des vidéos, qui soient au bled ou en faisant des vidéos dessus. Mon frère, t'as fait un featuring avec quelqu'un qui a insulté les Marocains. Hachem ! Ouais, bien sûr. J'ai envie de leur dire Hachemont un peu ! Dans ce cas-là, faisons bloc. Rasons le passé et faisons bloc. Il faut se dire qu'à partir de maintenant, c'est terminé. Et c'est fini. C'est tout ce qu'on veut, frérot, moi. Wallah, frère, moi je n'ai absolument rien contre que ce soit les frères marocains. Astaghfirullah ya Rabbi. Mon sang est mélangé avec le Maroc. Que ce soit mon frère, avec ses filles, ses fils. Astaghfirullah. Moi, ce qui est maghrébin, je kiffe, j'ai toujours aimé. Et puis, le problème, il est là. Il est que voilà, Bassem, quand t'affiches des meufs, à chaque fois, tu fais référence à... Mais pas du tout. Pas du tout. Au contraire, moi je suis quelqu'un qui, voilà. Non mais, attends. Non, mais je parle pas que de lui. Lui et d'autres, je parle pas que de lui. Mais le problème, il est là. Il est que ça nous sert de leçon. Nous, Maghrébins, il faut absolument qu'on arrête de dire marahba. Wallah l'adim. Marahba, c'est terminé. Niquez vos mères les putes. Tu viens dans nos pays. Quand tu viens au Maroc, en Algérie, en Tunisie, tu es obligé d'aller chanter l'hymne national du pays devant le drapeau. Sinon, nique ta grand-mère. Quand tu rentres dans notre pays, tu as des chartes. Tu filmes un cul. Tu filmes un truc comme ça, ça te nique ta mère. Il faut instaurer des règles. La tombe de mon grand-père, je suis très sérieux. Il faut instaurer des règles, des vraies règles. Tu montres des endroits comme Cheveux Verts, il avait fait avec des gamines, avec un mec, avec... Mais ça, ils oublient. Ça, les gens, ils sont aveugles. Non, ils retiennent que Bassem. Ils retiennent que Bassem. Moi, je pense que sur la vie de ma mère, tant qu'on cassera pas le cul à tous ces gens qu'on a dit, marahbebikoum, voilà. Pourquoi quand on dit une ville au Maroc, les gens, ils disent tout de suite, ah, on sait pourquoi tu vas aller là-bas. Hein. Est-ce que le Maroc mérite ça? Non. Donc, tous ces petits-fils de pute, tous ces gens-là, frère, c'est simple, clair et net. Interdiction formelle. Tu rentres dans un pays, tu fais comme en Corée du Nord. En Corée du Nord, tu es obligé d'aller saluer Kim Jong-il et son père. Là, tu es obligé de venir et tu signes et tout une charte. Tu es un touriste, toi? Oh, t'es un sac à main, mais t'as des cheveux verts, tu viens du 9-2. Oh putain, d'accord, le passeport, hop, vas-y, fais voir. Vous avez quoi comme réseau, vous? Un snap et tout, tu peux me le filer, le snap? Et je check ses stories tous les jours. Je vais checker tes stories tous les jours. Une intercade, tu rentres plus jamais en France.
Oui, non? Je tamponne ou pas? Oui, c'est bon, allez, vous êtes le bienvenu. C'est ça qu'il faut faire. La tête de ma mère, c'est ça qu'il faut faire. La tête de mon père, c'est ça qu'il faut faire. Mais malheureusement, on vit de tourisme. À part en Algérie, ils ont la chance de vivre avec... Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. On confisque tous les passeports. C'est quoi cette manie à venir au Maghreb, à filmer les culs, et il y a des Maghrébins qui sont à côté, et ils rigolent, ces fils de pute de sale traître. Est-ce que moi, est-ce que nous, les Maghrébins, quand on va dans des pays, je sais pas, africains, nous, on fait quoi quand on y va là-bas? Aïchik, dis-moi ce que fait un Maghrébin quand il va dans un pays en Afrique. Il creuse des puits. Il construit des mosquées. Il va pas à Dakar dans une boîte de nuit bizarre avec une chicha en disant « Ah, Dakar, c'est le top !» Il tape des culs. Non, il n'y a que nous, Maghrébins, qui avons laissé faire ça. On devra arrêter tout ça. Stop net. La tête de ma grand-mère, stop net. Tu n'es pas du Maghreb, t'as rien à faire ici. Oui, mais je viens faire le tourisme. Je sais quel tourisme tu viens faire ici. Nique ta grand-mère. Demain, c'est un Hollandais en vélo, il vient avec un sac miskine, avec un duvet. Mais je vois des clochards descendre de l'avion, claquettes, chaussettes. Rentre chez ta mère. Nique ta... Rentre chez ta maman, allez, allez, allez hop. Mais bon, ça c'est la dignité, frérot. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, ça marche. Merci, frérot, okay, t'es un bon. Ouais, ben, bon. Prends soin de toi, à la prochaine, Inch'Allah. C'était un bon, lui. Allô? Ouais, salam alaikum, Bassem, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Ouais, tranquille, tranquille, frérot. Je voulais rebondir là par rapport à ce que le frère il était venu avec son sujet par rapport à l'immobilier. Ouais, vas-y, je t'écoute. Parce qu'en fait, il était, avant que vous parliez de, des swags et tout, et puis des mecs qui nous tapaient dessus, enfin, qui nous tapaient dessus, façon de parler, qui nous manquaient de respect. Il y avait un truc que tu avais dit et tout, par rapport donc, à la crise sanitaire et tout, et le frère il se demandait si j'étais en fait. Un bon moment en fait pour investir et tout. Ouais, ouais. Alors faut. Ouais, donc déjà, faut pas comparer deux choses. Quand t'achètes donc ta résidence principale, tu vois, et quand tu pars dans une logique investissement, premièrement, c'est deux choses auxquelles il faut pas comparer parce que, en fait, si tu veux, la manière dont tu surveilles ton investissement, bah, elles sont complètement différentes. Pourquoi? Parce que, bah, quand tu achètes ta résidence principale, en fait, c'est un truc qui va te coûter de l'argent, objectivement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit toujours n'achetez jamais, entre guillemets, un endroit où vous allez vivre, parce qu'en fait, ça va vous coûter de l'argent. Excusez-moi, les RI, à la Yadina, mais bon, voilà. Endettez-vous sur le fait, sur quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, tu vois, plutôt que prenez plus donc, un truc qui va vous louer. Tu es musulman, frérot? C'est vrai que je suis musulman, frérot. J'ai appelé hier. Ah, t'as appelé hier, c'est pour ça que les gens ils disent ils te reconnaissent. Ah, je te reconnaissais pas, frérot, moi. Ouais, ouais. Alors, attends. Ouais. Non, mais c'est parce qu'en fait, je lisais les commentaires et tout, et tu sais très bien que quand tu parles projet immobilier, forcément, bah, c'est pas tout le monde qui peut payer donc, directement qui peut payer ça, le bien cash et tout. Et forcément, bah, après, t'as toujours des personnes qui viennent... parler du rapport vis-à-vis de la religion et de l'endettement et tout, c'est pour ça que je dis ça, mais pas tout le monde le fait, c'est ça en fait que je voulais dire. Mais pour rester dans le sujet, si tu veux, ouais, quand tu compares en fait le fait de s'endetter, c'est toujours mieux de le voir comme un truc où tu peux percevoir des loyers et tout après, et plutôt louer sa résidence principale. Mais là, le problème, c'est qu'avec ce qui s'est passé avec le Covid, bah, comme tu le devines bien, tu sais, l'État avec les prêts garantis par l'État, avec. Le chômage partiel, etc. etc. Le souci, c'est qu'on ne va pas pouvoir donc, s'endetter indéfiniment. Tu vois. Et ce qui permet donc, l'endettement auprès des banques, enfin que les banques prêtent de l'argent, et bah, c'est les taux d'intérêt directeurs. Donc, les taux d'intérêt directeurs des banques centrales, c'est eux qui permettent aux banques de prêter aux personnes qui veulent investir ou qui veulent acheter un bien immobilier. Le souci maintenant, c'est que on a toujours eu une règle qui était donc les fameux 33% d'endettement. Et donc, si tu veux, si tu achètes en gros un bien à 100 000 euros, eh ben, tu vas avoir donc 33 000 euros d'apport. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Mais le souci vis-à-vis de ça, c'est que là, de plus en plus,
eh ben, va y avoir donc des refus de la part de la banque. C'est-à-dire que ils vont faire de moins en moins d'exceptions, mais ils vont pas baisser les taux d'intérêt. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont avoir de plus en plus de mal à avoir un accès à la propriété. Donc c'est ça déjà la première barrière. Alors tu penses qu'ils vont bloquer les crédits? Alors attends, juste pour alors Radio Économie. Non, alors je vois qu'il y a des gens là qui se plaignent un peu. Ouais, bah c'est. Ouais, mais c'est ça le problème. C'est Non, mais non, mais mon frère, nique leur maman. J'ai envie de te dire, dis-le en cœur avec moi. Ces gens-là, ils veulent écouter des histoires de commères. Ils adorent ça. Et moi, aujourd'hui, les histoires des commères, je leur en donne plus. Ils ont qu'à faire leur radio. Barrez-vous de chez moi. Allez là-bas, il y en a plein qui tapinent pour ça. Donnez-leur leur vue, barrez-vous de là. Mais pourquoi vous êtes toujours connectés quand il le faut? Frérot, parle-nous de tout ce que tu veux, c'est très intéressant. Les gens sont bêtes, stupides et cupides. Hier, j'ai parlé business, entrepreneuriat pour les frères et tout. Il n'y avait que des trucs et tout. Ouais, il a une voix d'expert comptable. Ouais, ouais, mais ils sont comme ça. Non, mais Laroum, quand il dit, il a une voix d'expert comptable. Non, ça encore, c'est sympathique, c'est gentil. Par contre, je te la fais poste, tu vois. Mais par contre, quand il y a eu la sœur Kurde qui est passée après, directement. Ah bah là, pour le coup... En fait, j'ai l'impression que parfois... Mon frère, il y a encore des gens qui me demandent pour Erhit, pour le mec qui attendait les trois enfants. Il y a encore des femmes qui me demandent la sœur de Alès, la rineuse. Ils adorent ça. Frérot, regarde. Ouais. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je ne l'ai pas annoncé que je faisais radio. Donc là, on est à 3007. Si demain, j'annonce... qu'on va faire une radio sur le Sour, il n'y aura que des commentaires de femmes et j'aurai que des demandes d'appels de femmes. Si demain on parle de cul, il n'y a que des hommes qui sont là. Ils adorent ça, frère. Ils aiment, ils veulent. Wallah, c'est ça qu'ils veulent, frérot. Alors, donc, toi, tu me disais aujourd'hui, ça va être quoi le paramètre en plus qu'ils vont rajouter et qui va être dur pour accéder à la propriété, en fait? Ouais. Donc ce que je te disais, c'est qu'en fait, ils vont déjà faire beaucoup moins d'exceptions sur les personnes qui vont dépasser leur taux d'endettement, donc des 33%. Avant, tu pouvais arranger quand la situation, entre guillemets, elle était stable, cohérente du moins, même si on ne s'est pas vraiment remis de la crise de 2008. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Le problème avec le Covid, c'est que c'est une crise qu'on n'a pas réellement calculée, même si une crise ne se calcule jamais réellement. Et le truc, c'est que puisque l'État ne peut pas s'endetter et faire marcher la planche à billets éternellement, avec donc les prêts garantis par l'État pour les entreprises, le chômage partiel, et puis aussi donc toutes les dépenses qui ont été occasionnées vis-à-vis donc par exemple des subventions, des différentes, le fait de sauver l'hôpital, les donations. Il y a Jalal qui me dit, alors lui il a l'air bien calé dedans, il me dit c'est plus 33, hein, c'est 35% maintenant. Ouais, mais après, ils ont passé le taux d'endettement, il y a Antoine Roger qui me dit, de 33 à 35% en janvier. Putain. Mais dis-toi que ce taux de 33%, ça fait très très longtemps qu'il est effectif. Donc déjà, c'est un indicateur comme quoi la situation, elle sent un petit peu le roussi. Mais donc il y a plus ces exceptions faites qui sont... parce que ça, en fait, si tu veux, ce taux-là, c'est pour monsieur tout le monde qui va à la banque. Ça ne veut rien dire objectivement, parce que le mec qui a énormément d'argent à la banque, il peut emprunter, et en vrai, le banquier... J'ai une question à te poser, qui me revient souvent, une question qu'on me pose. Quand les gens ils me disent, Bassem, j'ai un peu de liquide, qu'est-ce que je dois faire? Je le retire de la banque. Alors je le dis, frérot, si tu veux le retirer de la banque, retire-le petit à petit, feinte. Mais l'argent liquide qu'on a, qu'est-ce qu'on doit en faire? Toi qui connais. Tu parles de quoi? Tu parles de l'espèce ou l'argent? Des économies. De l'espèce. Ah bah alors, l'espèce, ça dépend d'où il vient. Il vient d'où? Non, l'espèce, les gens ont mis de côté l'argent espèce, les marchands, les gens qui ont de l'espèce un petit peu à plat. Bah après, j'ai pas envie qu'ils pètent la chaîne et tout, j'ai pas envie de te dire, fais ça de manière à le blanchir et tout. Voilà, aujourd'hui, c'est pas. C'est des trucs qui sont relativement connus. Non, pas le blanchir. Par exemple, je suis un mec ou je suis une femme qui a 2000 euros de côté en banque. Qu'est-ce que j'en fais? Je les retire? Voilà. Donc,
En banque, voilà. Non, justement, parce qu'en fait, si tu veux, l'argent, ce qui est un truc incroyable avec l'argent, c'est qu'il est voué à se détruire, que tu le veuilles ou non. C'est un truc qui s'appelle l'inflation. Les trucs que tu pouvais t'acheter en 2000 avec, bon, en 2005 avec 10 euros, tu ne peux plus t'acheter les mêmes choses en 2021 avec 10 euros. Ça, c'est le premier paramètre, si tu veux, à prendre en compte. Donc, automatiquement, l'argent est complètement inutile s'il ne travaille pas et s'il ne travaille pas intelligemment. Premier point. Tu vois, d'ailleurs, beaucoup de personnes connues qui ont fait donc, de l'argent là-dedans, ça a été leur principal problème. Ça a été leur plus gros souci, tu vois. Et donc, c'est pour ça que l'investissement aujourd'hui est devenu très, très important et qu'il y a une obligation à faire travailler cet argent. Aujourd'hui, les personnes qui veulent faire travailler cet argent, encore une fois, en fonction des montants, le livret A, par exemple, c'est un truc très, très connu, c'est l'investissement préféré des Français et tout. Ouais. Préféré des Français et tout. Mais après, en fait, c'est un truc qui, objectivement, corrige juste l'effet de l'inflation, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fin d'année, tu vois que tu as gagné un petit peu, mais en fait, tu n'as rien gagné, objectivement, parce que l'inflation augmente petit à petit. C'est juste un truc, en gros, pour garder de la liquidité dans les banques françaises. Parce qu'une banque ne peut pas reposer uniquement sur la dette. Il faut qu'elle ait des épargnants qui ont du vrai cash. Et le cash qui vient du frais de main, qui vient de la valeur. Ça, premièrement. Mais après, si tu veux vraiment faire fructifier pour les frères et les sœurs qui veulent faire fructifier, c'est vrai que les ETF, donc les Exchange Traded Funds, c'est vraiment un investissement qui n'est pas trop risqué, c'est-à-dire que ça apporte entre 8 et 12% par an sur une période de 10 ans. Écoute, je te le dis devant tout le monde, j'ai fait mon premier investissement, frérot. Enfin, quand je dis j'ai fait mon premier investissement, c'est-à-dire c'est mon premier investissement de l'avenir que j'ai fait, là, un petit peu. Donc, j'ai misé, j'ai décidé de regarder l'eau. L'eau. Mmh. L'eau. Mmh. Je cherche une source. Ah, putain, je crois qu'on m'a retrouvé. Voilà, il serait bien qu'on trouve en vrai une source. Et on fait l'eau. On fait notre eau. Moi, je pense que l'investissement du futur, l'eau, il y aura un truc avec l'eau. Oui, on pourra plus avoir accès au robinet comme on peut. On pourra plus laver sa voiture bientôt. L'eau. Je sais pas pourquoi. Comme dans Coco, Waterloo. L'eau, Waterloo. C'est water et c'est l'eau. Oh putain, quand tu dis non, Coco. L'eau, après, c'est un méchant investissement, l'eau. Le truc, c'est que en fait, en réalité, en fonction de ton niveau, si tu veux, ta capacité d'investissement, y a des investissements, si tu veux, qui se ferment à toi, que tu le veuilles ou non. Et c'est vrai qu'à moins que tu crées une société solide en eau, quelle qu'elle soit, que ce soit de stockage de l'eau ou bien que ce soit donc dans un business, donc dans une vraie société qui possède, tu vois, qui gère de l'eau, traitement de l'eau. Non, je c'est différent. Moi si j'avais le choix, en parlant de l'eau, j'investirais plus dans une entreprise qui fera de la recherche de l'eau. Ça sera demandé comme jamais, ça. Je vais pas investir dans l'eau. Non, dans les boîtes qui font des recherches de l'eau. Ils vont être sollicités de partout. L'eau, ça va être l'arme ultime. Avant 2030, l'eau. Il y aura une histoire avec l'eau. Ouais, il y aura une histoire avec l'eau, mais c'est pas un investissement, si tu veux, qui se propose donc, pour monsieur tout le monde. C'est ça que j'essaie de dire, en fait. C'est pas un investissement qui est accessible à tout le monde. En fait, si tu veux ça, si tu veux, c'est soit en fait investi dans une société boursière qui travaille sur l'eau, sur le sujet de l'eau, ou alors t'as un filon, t'as une société qui est toujours pas rentrée en bourse, et ensuite après, tu t'investis directement en tant que dans le board, donc dans les premiers investisseurs. Puis là, c'est vrai que tu vois un peu, Mathieu. Il y a Adam qui me dit « Sacré visionnaire de comptoir ». Oui, Adam. En mars 2020, frère Adam, les gens disaient, quand je leur disais « Pour danser, faudra un vaccin ». Ils me disaient « Oh, les théories de comptoir ». Donc, il n'y a pas de problème. Je suis un théoricien des comptoirs. Avec un petit maconnais, il n'y a pas de problème. On en reparlera. L'eau.
Ouais, frérot, hakalo. Bon, alors, mais, pour mais, les mais, gens, pour les gens qui nous écoutent, les gens qui nous écoutent, les gens revenir, qui nous regardent. Pour revenir au sujet, mais pour revenir pour au être sujet simple, ouais. Oui. Pour revenir au sujet de l'immobilier, donc, comme je te disais, le problème, c'est que les gens, les banquiers, ils vont pas revenir, donc, sur le, ils vont être, ils vont déjà pas accorder, donc, on va dire, plutôt de largesse sur le taux d'endettement. Déjà, il a bougé, c'est un indicateur qui est important. Les taux d'intérêt ne vont pas bouger en soi, et c'est là où, en fin de compte, on va avoir le piège. C'est-à-dire que quand une personne va se voir accorder un prêt, et ben, on va voir que c'est toujours intéressant d'investir. Le problème, c'est que les banquiers vont refuser plus de monde à la porte. C'est surtout ça, en fin de compte, qui va changer. Et le souci à ça, c'est qu'avec la crise, si tu veux, sanitaire du Covid et tout, puisque les États ne peuvent pas s'endetter, l'inflation va monter. Quand l'inflation va monter, et ben les prix, la moyenne générale des prix, augmente. Les salaires également sont censés suivre avec. Mais quand on aborde le sujet de l'immobilier, le souci, c'est que, en gros, pour te faire simple, l'INSEE met un indice vis-à-vis de l'inflation, mais ne prend pas en compte l'immobilier. Et en gros, elle te dit un truc, elle te dit, quand l'inflation augmente, un mec qui gagne 1200 balles se loge environ, il inclut tout dedans, il inclut l'immobilier en même temps, se loge environ pour... Ah mais quand je dis investi, c'est 300 balles. Mais c'est des malades, les gens, c'est 300 balles. Je voulais voir, je voulais mettre mon nez dedans. Maintenant, je reçois des notifications, je m'intéresse un peu à l'eau, je regarde des reportages. Ah, mais ils sont malades, les gens. Bref, frérot, écoute. L'important, c'est qu'on finit pas, comme le Venezuela, qu'on n'aille pas acheter des baguettes avec une brouette remplie d'argent à cause de cette inflation-là. Et le revenu universel, il est en route. Hein. Il va arriver bientôt, bientôt dans les bacs. Eh ouais, frérot. Ouais, mais bon, après, ça, encore une fois, c'est surtout des tentatives de déstabilisation politique qui font que t'as une situation. En France, ça ne sera jamais comme le Venezuela. En fait, en France, le seul problème, si tu veux, c'est qu'à chaque crise, c'est un peu comme si tu avais un incendie, que tu avais un bébé qui était coincé au balcon, et qu'à chaque crise, en fin de compte, on se réendette encore plus. Et il faut juste qu'il y ait un reset, il faut juste qu'il y ait un retour à zéro. Quand il y a un retour à zéro. En France, en Europe, eh ben, c'est comme si quand il y a un incendie, on fait monter le bébé d'un étage. Tu comprends? Exactement, quelle fantastique image. On fait monter le bébé d'un étage. Putain, c'est excellent ça. On va rester dessus. Merci d'être là, merci d'être présent. T'es un bon, mon frérot. Rappelle-nous quand t'as envie. T'es Allez, un bon. Soirée, prends soin de toi. Wassalam alaikum. Wallah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est un bon frérot. Allô? On peut passer. Allô? Allô? Allô, Salem? Salem, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Je voulais réagir un peu par rapport au mec, ce qu'il a dit et tout. Ouais, je t'écoute. C'est juste pour ajouter. Enfin, après, tout ce que je vais dire, ça n'engage que moi et puis. Mais ma vision des choses. Déjà, il faut. Il y a par rapport aux banques et tout, il faut voir que. Pour moi, c'est un Est-ce que tu peux retousser, s'il te plaît? Pourquoi? Parce que tu nous as fait un tout d'une folle. On est inquiet, non, frère. T'abuses, frère. D'accord, aucun. Okay. Bon, ok. Non, ouais, non, donc toi. Fois, je passe dans un truc comme ça et tout, tu vois, j'ai pas l'habitude. Ah, d'accord. Voilà, frérot, donc. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport au système de banque. En mode, le système bancaire, c'est un monde de fils de pute. Dans le sens où, t'as vu. Tu vois, tout le monde, tu vois, le mec là qui l'a parlé, il a parlé genre, ouais, des taux d'intérêt, des ci, des ça. Pour moi, ça, c'est que du bullshit. Dans le sens où, Bassem, je ne sais pas si tu te rappelles, je pense, dans les années 90, quand tu prenais un crédit à la banque, ton bien immobilier, tu le remboursais en combien? 10, 13 ans? Non, pas 10, 13 ans, non. En 20 piges, oui, c'est vrai. Là où tu veux en venir, c'est vrai que c'est un bullshit. Parce que maintenant, on propose des crédits sur 27 ans. Voilà, 27 ans. Que je veux dire, 27 le taux ans. D'intérêt, ouais. C'est, pour moi, c'est... Excuse-moi, tu disais. Oui, donc. Donc, je te disais, pour moi, les taux d'intérêt, tout ça, pour moi, c'est de la grosse merde. Dans le sens où, voilà,
Avant, dans les années 90, quand tu étais en France, c'était, ouais, c'était quoi? C'était 15 ans et tout. Maintenant, les taux d'intérêt, tu sais pas pourquoi, ils sont plus bas. Genre, quand tu vois un pays comme la Grèce, qui est dans une situation pas possible, bah, tu vois qu'ils ont des taux de... Enfin, tu sais, genre, leur rendement des obligations, ils sont à 0%. Attends, il y a Ali qui me dit, à 15 piges, t'es à 800 euros par mois, impossible. Alors, je sais pas ce que je t'ai acheté comme bien. T'as acheté un bien. J'étais en train de regarder un petit peu, frère. Tu peux enlever ton haut-parleur, là? Ah, excuse-moi. Voilà. Non. Alors, si on prend un crédit sur 25 ans. Ouais. 25 ans, si tu payes, je sais pas, si tu payes 700 euros par mois, sache que pendant les 5 premières années, c'est les intérêts que tu payes. Ouais, mais c'est ça. Et tu vois, et en fait, genre, moi, ce qu'il faut regarder, tu vois, c'est... parce que, tu vois, moi, je regarde pas en termes de combien d'années tu payes ton crédit, tu vois, les taux d'intérêt, c'est combien d'années de ta vie. Parce qu'en vrai de vrai, quand tu prends un crédit, la banque, elle te tient par les couilles pendant 15-20 ans, t'as vu? Eh ben tiens, on a Sofiane, 20... moi, Sofiane, il a pris 25 ans, il paye 1252 euros par mois. C'est énorme. Ben énorme. Oui, énorme sur 25 piges, mais t'as acheté un manoir, frère. C'est waouh, waouh, waouh. C'est ça. Et regarde, et quand tu te rends bien, pour moi, tout ce bordel de merde, etc., etc., tout ça, ça a été alimenté par les banques. La hausse, enfin, selon de ce que j'ai compris, tout ce bourbier, ça a été alimenté par les banques. Parce que quand tu regardes bien, maintenant, les banques, ils accordent plus facilement des crédits pour l'immobilier parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est leur intérêt. Parce que, tu vois, les gens, enfin, comment dire, t'as vu, les gens, ils pensent que, ouais, j'avais même posé cette question à mon père, je lui ai dit, comment tu penses que la banque crée l'argent et tout? Il me dit, ouais, bah, c'est que, tu sais, avec l'argent des autres, etc., etc. Mais en fait, l'argent, il vient nulle part. Tu vois, ils achètent ton bien. Et après, ils équilibrent leur bilan avec l'actif et le passif en mode, on a créé 300 000, mais on a un bid de 300 000, donc ça crée un équilibre. Et quand toi, tu rembourses ton crédit, ils détruisent la monnaie. Et c'est comme ça qu'en gros, ils sont en train de... Et eux, c'est comme ça qu'ils font de l'argent, tu vois. Et en gros, pour moi, ces gens-là, ils ont alimenté toute cette bulle immobilière avec les crédits parce que ça fait genre 60% des crédits des banques sont des crédits immobiliers. T'as vu, genre ils soutiennent pas l'économie réelle, etc., etc., tu vois. Après, il y a les frais travaux, il y a les prêts travaux, il y a les frérots, wallah. Il y en a, ils prennent des crédits pour rembourser d'autres crédits. C'est fou. Ouais, mais c'est ça. Habiller Paul pour déshabiller Jacques, enfin, déshabiller Jacques pour habiller Paul. Putain, c'est un truc de fou. Bon, bah écoute, frérot, merci beaucoup de ton intervention. On essaye de brasser, on a du monde. Ouais. Prends soin de toi, frérot. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Qu'est-ce que c'est que ce NIM là? Allô? 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 Oh, bah Sam, je vais t'attraper, je vais te baiser ta mère la pute. T'as compris, espèce de petit bougnoule de merde, vas-y. C'est quoi ce numéro 0123456, petit fils de pute? Petit fils. Tu peux faire le héros qu'au téléphone. Mais dans la vraie vie, toi, oulala. Et lui aussi, plus 44. Pourquoi ça m'appelle du Royaume-Uni, Zebby? Tous les jours? C'est quoi ça? Voilà, il avait un numéro, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Moi, putain de merde. Oui, allô, bonjour. Allez, vas-y, Fake Land, je t'écoute. Bah vas-y, parle, je t'écoute. Voilà, bon, très bien. C'est bon, tu es content? Oui. Mais pourquoi tu raccroches, grand putain? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, frérot, tu vas bien? Ça va et toi, mon frérot? Ça va, merci, alhamdoulilah. Je voulais parler avec toi d'un petit sujet, t'as vu qu'on n'aborde pas trop, mais qu'en ce moment, il se passe un peu des dingueries. Je voulais parler des violences policières, frère. Sur notre communauté. À Marseille, ce qui est arrivé là? À Marseille encore? Ouais. Enfin. Ou non? Bah, je sais pas, j'ai pas trop suivi. C'est passé quoi à Marseille? Ouais. Moi, écoute, de ce que la BFM TV dit, frère, parce que moi, je connais personne qui était. À ce qui paraît, le jeune, il a voulu forcer le contrôle, il a voulu faire un délit de fuite.
Ouais. Comme il est passé à la hauteur, à ce qu'il paraît, ils l'ont allumé. Hein. Putain. Ah ouais. C'est chaud, 19 ans, de mourir comme ça. Après, l'État, ouais. Il se demande pourquoi les Condés, les jeunes, ils ont la haine, à la rahmou, frère. C'est terrible, mais plus on va aller dans le temps et plus c'est légitime défense, wallah, ils vont s'en servir direct. Sous QR code, ils vont pas blaguer, frère. Wallah, wallah, wallah. Regarde, et ça va être justifié encore pire. Hein? Toi, t'as un certain âge. Il n'y avait pas des dingueries comme ça à ton époque. Non, il n'y en avait pas. Parce que faut tout relativiser, frérot. Nous, à votre âge, on n'avait pas les voitures que vous avez. On n'avait pas la vie que vous avez aujourd'hui. Maintenant, apparemment, là, je regarde des infos. Il y a le frère Ebn Ali qui me dit apparemment, le frère, il était juste mal garé. C'est parti de là. C'est putain. Tu meurs pour ça, maintenant? Ben, alors, Elias, on ne fait pas les victimes. On n'est pas là en train de faire les victimes. Wallah que non. Mais c'est juste, on aimerait savoir. Après, ça a toujours été les violences. Violences policières, ça fait partie de leur métier. C'est le quotidien. Les policiers ont toujours été comme ça. Pourquoi tu crois que... Après, ils sont pas tous comme ça, mais ça fait partie du quotidien. C'est comme ça. Frère, quand je dis faut l'accepter, faut pas accepter la hagra et tout le reste et tout. Mais moi, je vais te dire la vérité, frère. Wallah el azim, Rayahmou, le petit frère qui est mort, c'est terrible, c'est vrai, de mourir comme ça, wallah, il y a des flics qui font des bavures, c'est des trucs de fou. Oui, c'est vrai qu'il y en a. Il y en a, mais il y en a d'autres, frérot. Moi j'ai envie de te dire, jamais de ma vie un flic est descendu de sa voiture, m'a fouetté pour rien. La seule fois il m'a fouetté, c'est quand il m'a vu tirer des pierres. C'est la seule fois de ma vie qu'il m'a fouetté. Sinon, j'ai jamais vu un flic faire le cow-boy. Descendre et venir m'agar. Donc, faut relativiser quand les gens ils disent pour. Alors, je parle pas du frère de Marseille parce que lui, apparemment, il s'avère qu'il y a une enquête qui est en cours là. Donc, ça va pas blaguer, je pense. Hein. Je pense qu'il y a Heja. Mais quand il y en a d'autres, ils sont là, ils envoient des feux d'artifice. Ouais. Dans le quartier. Ils envoient des feux d'artifice dans le quartier de leur mère. Ils font le zbel dans le quartier de leur mère. Le flic qui descend, il les fouette, je sais pas ce qu'ils leur font. Ça va sur Snap tout de suite. Hein. Partagez, c'est mon ro. Wallah, regarde, ils l'ont agar. Regarde ce qu'il. Voilà, frère, faut dire la vérité. Moi. Ils font l'amalgame. Parce que regarde, il y a des gens de quartier, ils sont tranquilles, tu vois, c'est des sportifs, ils ont leur petite vie. Ça n'empêche pas que sur le contrôle, ils soient tendus. Tu vois ce que je veux dire? Quand ils voient un jeune, sort le stup directement, alors que Belek, le mec, il fume même pas. Tu oui, vois, mon de frère, sort le stup, mais bien sûr qu'il y a des frustrés. La police nationale, dans toutes les générations, ont toujours eu des gens moins frustrés que d'autres. En 1980, la police était répressive. Et la police était très raciste. Parce que la plupart des gens qui étaient dans la police, c'était des rapatriés. C'était des pieds noirs. Et la blessure, elle était encore ouverte. Elle est ouverte et tout encore. C'est pour ça qu'il y avait ce sentiment anti-maghrébin dans les années 80. Dans les années 80, on tirait dessus. Un arabe, il se faisait tirer dessus. Anani, c'était comme ça avant. Bon, maintenant, ce que je veux te dire, c'est que les générations ont changé. Et j'ai envie de te dire, maintenant, on n'a jamais rien sans rien. Nous, les flics, des fois, on est posés. Bon, les flics, ils passent, mais personne ne leur dit rien. Ils nous disent rien. Ils font leur ronde, ils font leur travail. Demain, ils viennent me contrôler. Ils viendront me contrôler. Ça fait longtemps que j'ai compris qu'il ne faut plus avoir de renouf quand tu sors dehors, quand tu... Voilà. Ils me contrôlent, j'ai rien à me reprocher. Demain, tu veux savoir ce que je fais? Non, mais demain, tu veux savoir ce que je fais, je te donne mon QR code, nique ta mère. Tu veux me faire un QR code pour me suivre, nique ta mère. Bassem à la muscule, Bassem Radio Hlib, Bassem au snack, Bassem à Vénitieux. Bah, voilà, c'est tout. J'ai rien à cacher, moi, frérot, moi. Rien. Et les gens, ils s'inventent des vies. Les gens, ils pensent c'est The One dans Jet Li. Tout le monde leur en veut. C'est faux. C'est respect mutuel, frère. Le policier, il fait son travail, viens faire ton travail, merci, au revoir. Tu collabores, t'es là, après je parle pas de la hagra. Bien sûr qu'il y en a, c'est de la hagra, il y en a, ils font de la hagra, elle existe.
Mais moi, je te parle. Au quartier, quand ils viennent, ils font leur ronde. Pourquoi? Tu prends des pétards, frère. Tu les chauffes. Ils amènent les CRS. Il y en a qui travaillent plus. En faisant ça, t'appelles les decks au quartier. Il y en a, ils travaillent pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, voilà. Ils bloquent, la zone après. C'est réel. Bah, moi, ils bloquent la zone. Moi, par exemple, j'ai été outré un jour. Outré. Quand j'ai vu qu'un clip d'un rappeur qui n'était pas de notre ville est venu clipper à Vénissieux et c'est parti en couille. Les mamans, elles se sont fait gazer, c'est parti en live. Après, c'est pas le rappeur qui a fait que c'est parti en live, non. Lui, il a fait son clip, il voulait représenter un peu. Bon, mais lui, il n'a pas pensé. C'est comme si que moi, je viens à la Savine à Marseille et je fais un clip. Mais ils vont me fumer. Oh, il y a des gens qui travaillent là. Toi, tu vas venir, tu vas ramener du monde, le monde va faire ci, nous, on va pas travailler. Comment un mec qui est pas de chez nous, il vient clipper chez vous? C'est vos mamans qui descendent dehors. Vos mamans, elles descendent, elles se font gazer à cause d'un clip qu'un mec qui est pas de chez toi. Et quand c'est un mec de Vaux qui vient clipper à Vénissieux, ça le regarde travers. Quand c'est un mec de Vénissieux qui va clipper sur Bron, ça le regarde travers. Et pourquoi, quand c'est les autres, des autres villes, on leur ouvre la porte? C'est pas comme ça que ça marche. Ils ont un peu de boss, ça les suce, hein, c'est comme non ça. Non, s'ils respecteraient nos villes comme ils veulent les respecter, parce que je pense que ces rappeurs, ils nous aiment bien, ils aiment bien représenter, mais ils ont pas pensé à ça. Moi qui respecte, je sais pas, Félix Pia, moi qui respecte la Savine, moi qui respecte... Même si les gens ils m'aiment bien, Bassem, viens, je viens pas. Les gens ils vont savoir que je suis là, il va avoir de la foule, ça va attirer les decks, et il y a des gens qui peuvent pas travailler, il y a des gens qui ont des fiches de recherche. Wallah, frère, c'est très important ça, très important. Bref. Écoute, frère, et ben voilà ce qui s'est passé maintenant. En espérant que le petit, putain, voilà, c'est chaud. Wallah l'alim, que j'allais dire en espérant, et il est mort, Yahmou, miskin. Juste pour faire passer un message, tu vois, faut pas attiser la haine, les gars. La Rahmou, le jeune, faut pas niquer tous les condamnés non plus. C'est vrai qu'il y a des gros fils de pute, mais faut pas tout mélanger, les gars. Il y a des bons, des mauvais partout. Mais ça devient trop récurrent, ce genre d'accident, Bassem. Il y a trop de dingueries comme ça, des jeunes qui perdent la vue, qui sont tankés en moto, qui finissent à écraser la tête sur le bitume, des trucs de fils de pute qui se passent en ce moment. Ça arrive, frère. Wallah l'alim, ça arrive. Wallah, ça arrive et j'ai envie de te dire, c'est toujours arrivé, surtout l'été. Tu sais comment c'est, frère. Bref, en espérant que ça va. En tout cas, merci de nous l'avoir fait rappeler, hein, de faire passer le message pour le petit frère de Marseille, Rayahmou. En espérant que l'enquête va aboutir. C'est très important, ça. Salam alaikum, frérot. Ah ouais. Alors, ah ouais. Alors, j'ai envie de te dire... Alors, il y en a, il m'a dit, mais à Lyon, t'es détesté, Bassem et toi, à Lyon. Mais je suis détesté par les fils de pute. Je suis détesté par les gens comme toi. Par les gamins, les gamines. Ils me détestent pas aussi que ça. Matramem, frère, on circule. On connaît. On est du cru. Après, nul n'est prophète dans son pays. C'est normal. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Tant qu'il y a le respect. Mais on est détesté par les salopes. On est détesté par des gens qui se reconnaissent dans ce qu'on dit, c'est tout. Mais hamdoulay, frère, la base, on la connaît. Ah, voilà. Eh ouais. Attends. Allô? Allô, Bassem, salam alaikum. Ouais, salam. Alaikum salam, ça va? Ouais, Samir de Cologne, tu vas bien? Ça va, Samir, mon frérot? Ouais, ça va, hamdoulay, tranquille, ça va. Ouais, bah écoute, comment dire, bah t'as vu donc ce qui s'est passé hier au Conseil constitutionnel. Attends, s'il te plaît, hein. Pourquoi mais déménager de quoi? Mais je suis tous les jours chez Bouzid. Il y a que ceux qui me cherchent sur Internet qui me trouvent pas. Sale fils de pute. Mais tu crois quoi? Je vais rester à Vénissieux, j'étais avec les parents, bracelet, j'étais là. Sinon, je suis plus chez mes parents depuis 2002. Je suis plus à Vénissieux depuis 2002. La putain de ta pute de mère. Arrêtez d'inventer. Je suis rentré que par rapport au bracelet. Je suis plus à Vénissieux depuis 2002. J'y habite plus. Je suis allé habiter avec l'Amra. Je suis allé...
Qu'est-ce qu'ils ont, les gens? C'est grave, wallah, c'est grave. Ouais, frérot, donc, frère Samir, donc? Ouais, non, je te disais, donc, bon, ce qui s'est passé hier, Conseil constitutionnel, donc, Ouais. a Ouais. littéralement piétiné la Constitution. C'est historique ce qui s'est passé hier. Piétiner la Constitution. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir deux types de citoyens, donc pour des raisons sanitaires, qui, je rappelle, pour un virus qui tue à 0,5%, je veux dire là, tu vois, et ce dont la presse, effectivement, aussi ne parle pas, bon, le président du Conseil constitutionnel, monsieur responsable mais pas coupable, Laurent Fabius, tu te rappelles l'affaire du sang Oui, contaminé? bien sûr, le sang Voilà. contaminé. Alors, nous sommes pas coupables, mais responsables. Voilà, Nous sommes, responsable mais pas putain, coupable. Voilà, responsables mais pas coupables. Quelle honte. ouais, bien sûr. Et du coup, en fait, comment dire? Et seulement son fils, je sais plus son prénom. Il a un fils qui est président associé du cabinet de consulting qui s'appelle McKinsey, qui est en charge du programme de vaccination. Attends, Samir Smahni, Lilou. Ouais. Il y a Lilou qui dit à nous, à Lyon, nous les filles, en tout cas, on le respecte toutes. Wallah el azim que oui, c'est vrai. Wallah el azim. Wallah el azim. Toutes les femmes que j'ai croisées de Lyon. Toutes, toutes, toutes. Il n'y en a pas une un jour. Ouais, Selem, Selem. Khlas. Ouais, Selem, Selem. Mais ça, c'est les. En fait, ça, c'est les gens sur Internet. Ils, t'sais, ils aiment tellement. Si j'avais parlé des Martiens, ma femme serait partie avec un Martien. Leur rêve, c'est ça. Aujourd'hui, peu importe comment, l'important, c'est de le voir par terre. On s'en fout des valeurs et des principes, on s'en bat les couilles! Faut le voir par terre. Mais faut se mettre à 5. Et en dessous. Sinon, bon. C'est ça, parce que je les ai violés. Je les ai violés. Ils sont comme des dingues, les gens. Ils regardent, ils se disent, mais putain! J'aime ça, wallah l'adim. Alors frérot, tu me disais, alors c'est quoi la polémique qu'il y a? C'est le frère, le fils de Fils Laurent de Fabius, Fabius, apparemment. qui est Ouais, j'ai donc le voilà, truc là, apparemment ouais. dit directeur, donc il serait directeur associé du cabinet de consulting qui s'appelle McKinsey, qui est en charge du programme de vaccination. Aucun journaliste mainstream, à part dans les réseaux sociaux, je parle des gros mainstream, que ce soit de Marianne ou Figaro, qui sont tous couchés là-dessus et qui sont tous pour la politique, la dictature sanitaire, n'a relevé ça. Vraiment, n'a relevé ça. Ça passe comme une lettre à la poste. Ça donne des leçons au monde entier sur D'ailleurs, la frère, en parlant de transparence. ça, t'as entendu à Ouais. CNN, frère Samir? Frère, à CNN, trois Aussi, non? journalistes non vaccinés, ils les ont virés. Viré. Ils les ont virés. Ah, les Alors que Américains, ils l'équivalent rigolent du pas. ministre. Alors que Ouais. l'équivalent du ministre de la Santé, Fauci, qui est là depuis le début, même qui est déjà là sous Trump, qui avait validé toute la doxa, on va dire, Covidiste, on va dire, a bien déclaré que le vaccin, que les vaccinés peuvent être contaminés, contaminent tout autant que les non vaccinés. Il est en train de dire que tout ça ne sert à rien. En Israël, il y a eu des études de fait que les vaccinés de janvier, parce que la campagne de vaccination, tu sais, ils avaient commencé en janvier, c'était le modèle à suivre, blablabla. Il y a un professeur d'univers, ou même le ministre de la Santé, je crois, qui avait déclaré que le taux d'efficacité qu'on avait vendu, qui était à 95%, est descendu à 16%. Ils font même des formes graves. C'est une couillonnade. Ils sentent l'autre est en train de parler d'une troisième dose. Puis parce que tu sais, toutes les doses qu'on a commandées, tu avais partagé un truc que ils avaient commandé des millions de doses d'ici jusqu'à Hako, 2023, il me semble, c'est ça? il y a Hako Ça va Bene être qui me pour des dit, rappels, ça. On va se faire frère des Samir, rappels. ah Ouais. oui, il y a le frère Hako qui me dit, son fils est payé 2 millions d'euros par mois pour conseiller les gouvernements sur le vaccin. C'est du Ah délire. d'accord. Ah, c'est du lourd. C'est du C'est du délire. lourd. Et tu vois, t'as vu les parasites. Après, c'est nous les parasites, frère. C'est nous les parasites. Ils bouffent sur notre dos, c'est un truc de fou. Ils bouffent sur notre dos, c'est un truc de fou. Et tu vois, en fait, là, ce qui. Comment dire? Là, ce qu'on imagine, tu sais, t'en as beaucoup, tu sais, qui sont en train de dire, tu sais, qui se plaignent, ouais, c'est un gouvernement style socialo-communiste, dictature style socialo-communiste. Erreur, erreur. Tu sais, beaucoup, ils te parlent, ouais, de 1984, George Orwell, tu sais, qui dénonçait la société où tu étais surveillé, Big Brother. C'est Big Brother is watching you, tu vois. Mais en fait, là, non. En fait, c'est-à-dire, c'est que socialisme et libéralisme, capitalisme et communisme, en fait, c'était deux faces d'une même pièce. Parce qu'en fait, beaucoup disaient qu'ils dénonçaient la société, la dictature communiste. Erreur. Ils dénonçaient les deux systèmes.
les dérives communistes et les dérives capitalistes. Et là, qui est au pouvoir et qui impose tout ça? C'est pas l'extrême droite, c'est pas des religieux, c'est des néolibéraux en fait qui sont en train justement, comment dire, de monter cette société, libérale, totalitaire, justement, en cédant des nouvelles technologies. Ça te fait penser, tu sais, aux dystopies, tu sais, dans les différents films. T'as vu Hollywood. C'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est Demolition Man. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Wallah, tu sais, c'est tout à fait ça. Voilà, quand j'y pense, tu sais, on se dit, ouais, mais dans ces sociétés, ils dénoncent ça parce que, tu sais, c'est des univers dystopiques. C'est-à-dire, dystopiques, ce sont des mondes futuristes qui ont mal tourné, ultra technologiques, mais la technologie au service du mal. T'as Matrix. T'as Elysium, tu te rappelles, avec Matt Damon. Tu sais, des gens riches qui vivaient dans un vaisseau et les pauvres, ils vivaient en bas. Avec toutes les technologies qu'il fallait. Voilà, Matrix, Elysium, Minority Report. Toutes ces choses-là, tu vois. Et beaucoup, ils disaient, non, c'est pour dénoncer. Mais en fait, je me dis que non, en fait, Hollywood, là où sévissent l'art, c'est qu'ils essaient de nous habituer à ça, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On peut le prendre comme ça aussi, qu'ils nous habituent à ça. Ça a commencé par Retour vers le futur 2, quand Doc il sort de la Doléranne, il lui dit attends, il va arrêter là, hop, il va arrêter la pluie. Dans Retour vers le futur 2, il dit attends, je peux pas me changer là, il pleut. Il lui dit attends, dans 5 secondes, hop, projet ARP. Déjà, il nous habituait, c'est vrai. Le cinéma, la fiction dépasse la réalité. C'est-à-dire qu'ils se servent du cinéma pour, comme tu l'as dit Samir, si bien dit, pour nous habituer à vivre dans ce monde-là. Et quand on aura peur de ça, ben on n'aura qu'à regarder le film et faire comme ils font dans le film. C'est fou quand même. Hein. Mmh. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, tu avais relié quelque chose de... Je ne sais plus si c'était une citation. Tu sais, le président du Forum économique mondial, un chauve, là. Il a une tête frère, Starfella, tu l'imagines avec des gamins du tiers-monde sur ses genoux, là. Klaus Schwab. Tu vois? Oui, Klaus Schwab, oui. Voilà. Oui. Les gars, il a écrit, Great Reset, il l'a écrit, le mec. C'est pas du délire, le gars, il l'a écrit. Et lui, ce qu'il imagine, c'est que 80% de petits commerces, restauration, devraient disparaître, en fait. C'est-à-dire que là, avec la crise et les passes sanitaires, peut-être qu'ils espèrent effectivement qu'il y a plein de boîtes qui ont déjà commencé, des business, des petits business, des petits commerces, d'ailleurs, qui ont mis la clé sous la porte. Je sais pas, peut-être t'en connais, mais ça a commencé. Et qu'il a dit que ça devrait disparaître, en fait. Et dans ces cas-là... Excuse-moi, Samir. Il y a Milk. Il y a Milk chez... Ouais, il y a Milk avec un X. Toi, tu me prends en mot. T'oses me dire erreur. Parce que si nous retournons dans le passé... À partir de ce point, nous retournerons dans cette réalité où Biff est un homme tout puissant, malfaisant, marié à ta propre mère. Oh putain, je connais par cœur. Quand il a dit erreur, t'es un tueur, je connais. Ouais, donc, ouais, vas-y, excuse-moi, Samir. Non, je t'en prie, là. Et non, et donc, en fait, tu sais, une fois qu'en fait, mettons, tu sais, tous ces petits restaurateurs qui couleraient, en fait, effectivement, qui va prendre la main? Toutes les grosses multinationales, les Uber Eats, Deliveroo, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont nous vendre une société ultra digitalisée, des cinémas qui coulent. Qui va récupérer la mise? Amazon Prime, Netflix. Voilà, on y arrive en fait. C'est ça en fait leur rêve. Ça va être en fait, c'est une des multinationales qui vont se partager le monopole, qui vont se partager le gâteau qui va rester en fait, tout simplement. On va plus au restaurant. On nous le propose jusqu'à chez nous. Et c'est que des multinationales qui font ça. Une société digitalisée, c'est carrément vrai. Wallah, c'est carrément vrai. Une société digitalisée. On en parlera de ça. Et là, la phase terminale, on est en pleine la phase terminale, effectivement, de ce totalitarisme qui vient du néolibéralisme. Je veux dire, voilà, c'est ni des religieux, ni des mecs d'extrême droite qui proposent ça. Même, tu regardes dans le monde arabe, qui est jugé, dans le monde arabo-musulman, qui est jugé totalitaire. Mais c'est une société comme ça, c'est impensable. On va au café, le qahwa, on fume. Tu sais que c'est une institution, d'ailleurs. C'est une institution. Même là-bas, dans un truc dit totalitaire, tu peux aller d'un point A à un point B, tu vas à la mosquée, tu bouges, quoi. Ici, non, maintenant, voilà, ça va être terminé, ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est qu'ils vont même prendre possession jusqu'à ton corps parce que tu vas te manger des rappels. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un vaccin ordinaire, les trucs Pfizer et tout, c'est ARN messager. Apparemment, il y a des bases d'OGM, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait,
il te parle de ton système immunitaire qui pendant 6 mois il va baisser. Même Macron il en a parlé. Il dit mais rassurez-vous ça va revenir. Des conneries en fait. Tu te rends compte que Netflix artificielle ça va tuer ton immunité naturelle et tu vas être dépendant de ça en fait après de ces vaccins. Tu te rends compte que Netflix. On peut imaginer ça comme ça, on peut se tromper. Mais voilà. Netflix. Netflix, on leur a dit. C'est quoi le concurrent que vous avez? Ils ont dit le seul concurrent qu'on a, c'est le sommeil. C'est-à-dire, tout ce que tu as dit, ça revient à ce que tu as dit, digitalisé. Wallah al-Azim, c'est carrément ça. Il y a des multinationales, elles vont tout prendre. Ça me fait penser à comme le contraire de ce qui s'est passé en URSS. Où les entreprises de l'État, quand elle a été démantelée, c'est que des oligarques qui l'ont rachetée pour une bouchée de pain. Et ils en ont fait des empires. Gazprom. Gazprom. Ouais, Gazprom notamment. Ouais, c'est clair. Mais disons que, ouais, tu sais, pour parler aussi un petit sujet justement, qui nous tient à cœur pour parler de la Tunisie. Je veux dire, mon père y est actuellement. Le nombre de morts baisse, alhamdoulilah. Mais tu sais, il me disait, c'est-à-dire, ce qu'il voit autour de lui, ça veut courir se faire vacciner. Ça va courir se faire vacciner. Tu sais, il y a quelques personnes qu'on a connues, qui sont décédées. Il m'a dit, mais fallait voir leur profil, Bassem. Des gens très corpulents, diabétiques. Tu sais que là-bas, c'est la maladie nationale. Donc, du coup, effectivement, c'est un facteur aggravant. Mais, frérot, le problème, c'est que le pass sanitaire et tout ce qui va avec, Samir, aujourd'hui, personne n'y comprend plus rien. Nous avons le docteur Raoult. Donc, il conseille à ses confrères de se vacciner. Le contre-argument soumis au système, apparemment. Attention, hein, c'est... Voilà. Attention. Mais faut pas parler du docteur Raoult. Parce que les gens, pour eux, il est apparu comme un espoir dans la plus grande des crises. Et puis, ils l'ont eu dans le cul. Et c'est que le début. Divisio, c'est bon. C'est la rentrée des classes, là. Là, vous allez voir son vrai visage. Les plateaux TV et ce qui va avec. Parce que lui, il est programmé. Lui, ça va être le début de tout le changement de brochette d'animateur de merde qu'il y avait dans cette émission-là. Parce que là, Cyril, il va passer à autre chose. 2022, là. C'est-à-dire que tous les animateurs qui servent strictement à rien, comme Benjamin Castaldi, Valérie Benaïm... Tous ces animateurs qui servent strictement à rien. En fait, ils sont là pour parler de rien. Donc, Gilles Verdez, celui qui est là, lui, pour prendre la défense des filles voilées. Genre, on t'a rien demandé, sale enculé. Arrête de parler des filles voilées, on t'a rien demandé. On vous a pas demandé de prendre position. Et moi, cette émission, pourquoi je la hais? C'est parce que j'ai toujours su que quand il y avait une voilée au troisième rang, j'ai su qu'un jour, elle irait sur le plateau. Et elle est venue. Bien sûr. Cyril, tu fais un accident à 18h30, à 19h, tu passes chez lui. C'est comme ça. Et Divisio, lui, il va aller sur ce plateau-là. Et il va être un chroniqueur. Bien sûr. Bien sûr. Un peu avec Fraga, il n'est pas retourné depuis. Bien sûr. C'est pas pareil. La stratégie, on la change. Les animateurs ne seront plus les mêmes. Ne seront plus les mêmes. Mais pour ce qui est de Raoult, effectivement, sur ses confrères, sur la vaccination, tu te dis comme ça, tu sais, soit ça, enfin, c'était dès le départ une arnaque, je pense pas, ou soit il y a des menaces ou du chantage. Samir, tu penses quoi de la vaccination? Samir, toi qui as la tête sur les épaules, c'est quoi ta position par rapport au vaccin, au QR code? Moi, ma position, elle est claire. On n'y échappera pas. On n'y échappera pas. Tu sais pourquoi on n'y échappera pas? Parce qu'encore une fois, je me le répète, n'oubliez jamais cette phrase. Passe sanitaire, QR code sanitaire, passe sécuritaire, QR code sécuritaire. La tête de ma grand-mère, une fois que le QR code sera démocratisé, on ne va même plus parler de QR code sanitaire, mais on va parler de QR code sécuritaire. Moi, je l'ai toujours dit, mon scénario, je l'ai, Samir. Mon scénario, je l'ai. Il va avoir une dinguerie. Dans cette dinguerie, il y aura un homme
ou une femme qu'on aura laissé rentrer dans un endroit où fallait montrer le QR code. Et ce qui se passe, c'est que le mec, il était, il avait bien son QR code en règle, il était bien en règle. Sauf qu'on s'aperçoit que son QR code, il était faux. Non seulement on s'aperçoit que son QR code, il est faux, et non seulement on s'aperçoit en plus que ce mec avait un passé, comment ça se fait qu'on aurait dû le détecter avec les informations du QR code. Il y aura une dinguerie avec un QR code. Et c'est de là, Samir, où ça va passer sécuritaire. On peut envisager aussi une frappe. Une frappe d'un virus. Un ennemi va envoyer un truc, un ennemi de la France, genre, va envoyer un truc, et ça va éclater, ça va contaminer du monde, et ainsi de suite. Et il y aura un nouveau vaccin. Et ce nouveau vaccin, faudra tous le faire, obligatoirement. QR code sécuritaire, parce que si tu le fais pas, on va te considérer parce que tu es avec eux. C'est-à-dire balancer là, c'est-à-dire que là, ça va être, c'est-à-dire un virus qui va être véritablement méchant, quoi, qui va faire des dégâts. Un virus méchant. Qui va vraiment faire des dégâts, d'accord. Qui va vraiment faire des dégâts comme au Maghreb. Là, ce qu'ils ont envoyé là-bas, là. Là, tu vois, pour essayer d'endormir un petit peu la colère populaire là qui gronde, mais on verra à la rentrée, ça va péter, je sais pas où ça va mener, mais ça va péter. On attend toujours, et tu le sais, comme d'habitude, ils ont tenté avec les gilets jaunes, mais ça avait pas marché, un bon vieil attentat. Hein, voilà. Alors, moi, j'ai envie de te dire, Samir. Moi, j'ai envie de te dire, Samir, alors oui. Alors oui. Je suis pas défaitiste. Moi, je suis réaliste. Tous les jours, quand je me lève, je me dis. De toute façon, avec tous les défauts que j'ai, de toute façon, c'est Allah qui décide tout. Par rapport à ma vie, à moi. Justement, j'allais y venir d'Allah. Ouais. Je sais que là, je sais que l'ange de la mort, il demande. Je sais pas, arrête-moi si je me trompe, 5 ou 7 fois, il se met en face de toi et il dit à Dieu, par jour, hein, 5 ou 7 fois. La Rome, elle va me dire, 5 à 7 fois, il se met devant toi et il demande à Dieu, est-ce que je peux le prendre lui? Bon. Samir. Il t'interroge, oui, voilà. Samir, je m'interroge sur quoi? Putain, frérot. Leur plan, c'est quoi? Leur plan, il est mis en route. C'est un plan du diable. Seule une intervention divine pourra. Mais le reste, les humains qui sont là, qui veulent se battre, tu veux te battre contre quoi? Tu veux détourner le système, mais comment détourner le système? Il y en a qui vont le détourner, ce système, mais c'est ceux qui l'ont inventé, ce système, ils vont détourner de système, on le sait ça. Mais moi, personnellement, Bassem, c'est noble, même si tu sais, peut-être tu dis que c'est perdu d'avance, tant que tu peux te battre, on se bat, tant que tu peux esquiver, tu esquives. On se bat contre qui? Est-ce qu'on se bat pour notre neuf, Samir? Samir, est-ce qu'on... Est-ce qu'on... Les moyens légaux, parce qu'il reste encore des lois, des employeurs qui peuvent pas faire... Samir, il n'y a pas de problème. Il y a encore des moyens légaux. Et aussi, essayer, tu sais, de se monter un truc en réseau de gens qui pensent comme toi. De vivre entre nous, quoi. Il n'y a pas. De séparatisme. On va devenir... Il faut accepter... Parce que tout le monde ne va pas non plus. La majorité va suivre, mais tout le monde... Il faut accepter... C'est... D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, ok Samir, si on t'écoute, c'est quoi la finalité? Moi, j'ai un seul mot, la finalité de tout ça. Tu sais ce que ça va ramener? Civil War. Guerre civile. C'est quoi la solution à tout ce marasme-là? C'est qu'on va arriver à un point de non-retour. Samir, j'ai compris que les dés étaient pipés. Quand le commerçant ne m'a pas dit de remettre mon masque, c'est un client qui m'a dit de le remettre. Les dés sont pipés, Samir. Wallah, frérot. Les gens, le vaccin, les gens, faut les voir maintenant. Vax, anti-vax. Ça a touché la population, ça a gangréné la population. C'est vrai. Il y a des gens. On a retourné le cerveau. Il y a des gens au travail. Il y aura, je l'ai toujours dit, l'apartheid médical. L'apartheid, Samir. Au travail, on va te regarder de travers, tu vas mal te sentir. Toi, t'es un humain. À la fin, tu vas céder, t'es un humain. Tu vas dire, c'est invivable. Au travail, je suis vu comme un paria. Là-bas, je suis vu comme un paria. Je peux pas aller ci, je peux pas aller ça. Les gens, ils craquent, frère. Wallah, les gens, ils craquent, Samir. On verra qui craquera. Il y en a qui craqueront pas. Alors, il y en a qui craqueront pas.
Mais eux, ils sont déjà en montagne, ils sont pas là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est contrôler la population, Bien sûr. savoir qui Mais sait où on va. alors, C'est ça, frérot. voilà, si je peux éventuellement dans ce que tu dis, effectivement, s'il y aurait une toute petite lueur d'espoir, c'est que les personnes vaccinées, effectivement, quand vont se rendre compte que le taux d'efficacité n'est pas si haut que ça et que de plus en plus de gens, même vaccinés, vont l'attraper, est-ce que peut-être eux-mêmes vont commencer à s'énerver? C'est peut-être là que je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer. Mais Parce d'accord, que Samir, c'était ça va être pourquoi, et quoi? parce que Ça n'oublie pas, Bassem, que beaucoup l'ont fait. Beaucoup de gens vaccinés, certes, en a, ils ont retourné le cerveau, je suis sûr que c'est bien, c'est sûr, mais beaucoup aussi l'ont fait par résignation. Parce qu'ils ont D'accord, été Samir. menacés, terrorisés et Résigné! par chantage. C'est ce qui est Oui! ressorti du discours de Macron. Résigné, Samir. Wallah, nahlef goudem Allah. En mars 2020, j'étais déjà résigné. C'est ça. Pourquoi Samir, je disais, moi je vais le faire pour qu'il me dise, pour qu'on m'arrête, pour que je lis l'équipe, je bois un verre, je T'es m'en pas bats les résigné tant couilles. que ça jusqu'à maintenant, tu Non! l'as pas fait, Bassem. Je l'ai pas fait, mais À moins qu'on sait pas. résigné! Résigné! Je l'ai pas fait. Résigné. Mais les gens sont résignés parce que je vais te dire. D'accord. Va dire à un manifestant du samedi après-midi, Snap et Instagram, avec toute la conviction qu'il a. Après samedi, il y a dimanche. Et dimanche, il y a lundi. Et lundi, on reprend le boulot. Lundi, il faut nourrir les enfants. Lundi, il faut payer les factures. Toi, l'antivax, tu vas faire comment? Arrêtez de vous appeler antivax. Vous êtes anti-système, comme nous. Mais moi, je suis pas anti-système propre. Je suis pas un intermondialiste, moi, à la con. Non, moi, je suis pour un système. Un certain système hiérarchique, ordre et discipline. Mais il faut pas dire que tu es anti-vax parce que malheureusement pour toi, à moins de trouver une combine, ça va être ça. Tu vas faire comment pour aller bosser? On s'est fait hagard, c'est mort. Frère, wallahi l'azim. Encore, si le peuple était comme les gilets jaunes. Les gilets jaunes, pourquoi c'était dangereux? Le vaccin est tombé à point nommé. Le Covid, je vais te dire ce que c'est le Covid. Le Covid est un pare-feu pour les gilets jaunes. Parce que je vais te dire, quand il y avait les gilets jaunes là, quand il y avait les gilets jaunes, mon frère, c'était le peuple uni qui pensait tous comme ça. Tous comme ça. Pour le gouvernement, ça devenait incontrôlable. Parce qu'il y avait même des gens qui étaient de leur caste qui pensaient comme ces gens-là. C'est vrai. Donc, pour éradiquer ce mouvement des gilets jaunes qui n'allait que gonfler, avec ce qui se passe, qui n'allait que gonfler et les gens, ils allaient que Exactement. manifester, ils ont trouvé le levier. Ils Et l'ont tu sais, tué dans l'os. c'est Wallah, clair. frère. Et tu sais, c'était quoi aussi une de leurs hantises? C'est qu'à vu une majorité de gilets jaunes, c'était vraiment le peuple de France de souche, de la France rurale, de la France enracinée, tu vois. Et ce qu'ils auraient eu peur, ce qu'ils craignaient, c'est une convergence avec la France des banlieues issue de l'immigration. Alors là, ils auraient été en panique. Qui a été empêché par des grandes gueules de l'autre Traoré et de Yacine Bellatar. Celui-là, je le retiens, lui. Ce connard, là, qui ouvre leur gueule. Ah non, c'est des racistes, non. Tu vois, tu te souviens, ça? Tu te souviens? Voilà. Il fallait à tout prix l'empêcher. Et c'est vrai que là, quoi de mieux, effectivement, qu'une pseudo-pandémie. Ouais, Mais exactement. le QR code, ce que les gens ne savent pas, c'est que le QR code, mesdames et messieurs, ils vont nous le vendre le tout en un. Avec le QR code, tu pourras payer. Parce qu'attention, une fois que, écoute bien ce que je vais te dire, une fois que le Disparition de QR l'argent code liquide, bien sûr. est une, exactement, Bien sûr. une fois que le QR code sera installé, sera dans les mœurs, le QR code sanitaire disparaîtra. On va passer, comme je te l'ai dit, au code QR code sécuritaire. Mais sécuritaire, il englobe quoi dans la sécuritaire? C'est qu'avec ça, tu n'auras même plus besoin d'avoir une pièce d'identité.
On va scanner ton QR code, on va tout savoir sur toi. Lors d'un contrôle de police, jusqu'à tes opinions exactement. Politiques. Ouais. Parce qu'il y aura, dans ce QR code-là, il y aura des informations mises entre parenthèses que certains services ne pourront pas voir. Genre, l'ambulancier, s'il te scanne, il ne va pas savoir ton casier, ton... Non. Ça va être suivant celui qui va te scanner. Le flic, il va avoir accès direct. Le pompier, il n'aura pas accès. Il aura accès si tu as eu un accident, si tu as eu... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et avec ce QR code, ils vont faire du Pimp My Ride. Au début, ce QR code, ça va être uniquement médical. Mais après, ils vont l'améliorer. Ils vont le rendre tout petit et tellement puissant qu'avec, tu pourras faire tout. Louer des voitures avec un doigt. Et puis, je vois déjà la pub. Putain, hein, elle est belle. Retenez celle-là. Je vois déjà la publicité. Le monde bouge autour de toi avec un doigt. Et tu vois un couple métis comme par hasard. Donc, évidemment. Un couple métis, il passe le doigt et tu verras des petites blagues. Mon petit doigt m'a dit genre... Et puis en fait, dedans, avec ça, ils passeront tout. Ils payeront, ils vont au resto, ils vont tout faire avec ce QR code. Tout, absolument tout. Même quand tu vas vendre des biens, tu vas payer en QR code. Ouais, mais... Klaus Schwab, Bill Gates, c'est leur rêve. Ils sont en train de travailler sur une puce. Ouais, en plus, hein, déjà. Bien sûr. Même jusqu'à la puce. Mais retenez les slogans. Je gère mon monde avec un doigt. Retenez bien. Attendez. Ah ouais, attends, c'est fou. Moi, je dirais juste que juste pour finir, que ceux qui trouveraient ça génial, super, c'est de très mauvais augure. Tu dis souvent c'est une autoroute pour le Dajjal. Chez les chrétiens, ils parlent de la marque de la bête. Tu as entendu déjà parler de ça ? Bien sûr. C'est de très, très mauvais augure. Donc franchement, avec tous les défauts qu'on peut avoir, essayons de garder la foi. Et je dirais juste qu'aux gens qui ont peur de ça, qui ont tellement peur de mourir, à tel point, ils ont tellement peur de mourir qu'à un moment donné, ils finissent par avoir peur de vivre. N'ayez pas peur. Allah, ils n'ont pas peur de mourir. Ils ont avant d'en arriver à là, mon frère Samir, ils ont peur de plus aller à la salle de muscule. Ils ont peur de plus aller au resto. Ils ont peur de la vie des gens. Ils ont peur que quand ils vont au travail, ils vont être stigmatisés. De plus voyager. Ils vont être stigmatisés. Exactement. Et puis c'est là où tu vas voir les gens qui sont. C'est là que tu vas voir que les gens sont attachés à la dounia ou pas. Et il y en a aussi. Ça va devenir de plus en plus dur. Ça va devenir de plus en plus dur pour ceux qui vont ouvertement dire non, j'ai pas envie, non, si ça. Ils n'auront pas le choix. Merci Samir, t'es un bon. Merci beaucoup. Merci à toi, Baptême. Barakallahu fik, salam alaikum, mon frérot. C'est un bon, Samir. Wallah. Samir de Colombe, c'est un bon. Bon, on fait quoi ? C'est vendredi ? Ben, allez, on en prend un dernier. Allez, vas-y. Allô ? Allô ? Ouais ? Salam ? Ouais, Selim, Bassem, je t'appelle pour que t'aies un avis sur quelque chose qui m'a touché. En gros, Guette, comment t'expliquer? Là, t'as vu, tu vois, j'ai 18 ans, et en gros, Guette, comment te dire? En fait, tu vois les filles autour de moi, et ben, comment dire? Genre, elles sont trop, comment dire? Genre, elles sont trop passées pour, comment dire? Genre, t'as vu, il y a, comment dire? Comment t'expliquer. Alors, c'est quoi le pari? Il faut que tu dis comment te dire pendant combien de fois? De quoi? C'est quoi le pari? Comment ça? Combien de fois tu dois dire comment ça? Dis-moi, je t'écoute. Non, mais c'est parce que c'est la première fois que je t'appelle. Ta gueule! Combien de fois? Combien de fois? Mais non, mais... Comme ça, je te laisse dire et tu dégages. Comment dire? Combien de fois? Mais il n'y a pas de pari. D'accord. Bon, vas-y. Donc, bref. Voilà. Donc, comment dire avec les femmes et ensuite. Allez, on accélère, frérot. Allez, vas-y. C'est pas bien ce que j'ai fait. J'ai un pressentiment. Peut-être qu'il voulait parler pour de vrai. Il est gêné, Miskin. Wallah, je vais le rappeler. Miskin, il était stressé. Miskin, il est stressé, wallah.
Oh, on va le rappeler. Réponds toi aussi. Bon, fermez-la, commencez pas à me casser les couilles, vous aussi, là. Comment vous dire, il boude. Non, écoute-moi bien. Frère boudeur, regarde, j'ai des forums de jeux vidéo qui viennent me sucer, frérot. Je sais tomber sur toi, tu sais très bien que je le pense pas. Regarde, j'ai essayé de te rappeler, je te rappelle. On dirait que je m'embrouille avec une meuf, là. Réponds-toi, Zappi. C'est un coup, il a sauté du 8e étage. Zer, il va tout remettre sur moi après. Allô? Allez, bon. Voilà. Je t'ai appelé, tu te décroches pas, classe. Allô? C'est ce que je te dis. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, frérot? Ça va, frérot, et toi? Là, ça va, alhamdoulilah, la famille, ça va. Alhamdoulilah, barakallah, fais qu'on t'entend mal, frérot, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis au travail, là, je suis en pause de. Ah, Rabbi Maak, frérot, je t'écoute, mon ami. Je vais te parler d'un sujet, là, qu'on avait parlé la dernière fois, je t'avais envoyé un message. Ouais? C'est par rapport sur les endettements, tu vois. D'accord. Et si tu veux, je te raconte vite fait, moi, ce que j'ai traversé par rapport à ça. Tu t'es endetté, frérot? Ouais, j'étais endetté pendant pas mal d'années, quoi. T'étais endetté par rapport à quoi? Ben, crédit, en fait, des crédits à la consommation. Et, d'accord, putain. J'ai dû payer, j'avais 40, un peu plus de 40 000 euros à payer, en fait. Alors, frérot, c'est très intéressant. T'es rentré comment? T'es tombé comment dans ce cercle vicieux de crédit? Voilà, frère, je suis tombé comme Ahmar, hein, j'avoue. Tu vois. Mais en fait, comment ça s'est passé? J'ai signé mon CDI, tu vois. Et j'ai pris la confiance. Et comme j'avais un bon salaire, je me suis dit, je peux faire des crédits, m'acheter ça, changer l'appartement, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, bah, après, j'arrivais plus à suivre. Quoi. Tu vois. Ça veut dire quoi quand on n'arrive plus à suivre? Ça veut dire. Avant que la paye, elle tombe, il reste déjà plus rien. Non, pas forcément, en fait. La paye, elle tombe. Mais après, il faut que tu gères pour les prélèvements chaque mois que tu as du crédit, les prélèvements du loyer, les prélèvements des assurances, et tu vois, ainsi de suite. Et à la fin, il te reste quoi? Il te reste plus rien pour vivre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu as utilisé le revolving? Non, mais maintenant, c'est réglé, tu vois. Ouais. Mais j'avais fait des crédits, comment ils appelaient ça, crédit à la consommation? Il y a les prêts où tu pouvais à chaque fois prendre, tu vois, ça veut dire que tu prends un crédit par exemple de 10 000 euros, et une fois que t'as payé 8 000 euros, bah, tu peux reprendre 2 000 euros, tu vois. En fait, c'est un cercle vicieux, ils te proposent une fois que tu arrives à un certain taux, tu as payé une certaine partie du crédit, eux-mêmes ils vont te proposer, ouais, si vous voulez, on peut vous redonner 2 000 euros. Et tu t'arrêtes jamais, ah. En fait. Ouais, on peut te donner 2 000 euros pour renouveler le truc. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu t'arrêtes jamais, quoi. À chaque fois, tu prends et tu vis endetté. Bon, bah écoute. Et alors, frérot, aujourd'hui, alors où est-ce que t'en es? Tu es marié? Tu es en couple? Ouais, je suis marié, j'ai 3 enfants. Alhamdoulilah, Rabbi Zedek, frère. Je travaille en VSD, en fait. Je travaille en VSD. VSD, vendredi, samedi, dimanche, c'est bon, ça? Ouais. 12 heures? Ouais, 30. Ouais, 12h le samedi dimanche et 8h le vendredi. 6-18? Non, ou 18-20? Ouais, 6-18, un week-end 6-18 et un autre week-end 18-6h. 18-6h. Et puis après le reste de la semaine, tu ne khadem pas, hein? Si, je khadem. Pardon? Si, je travaille la semaine aussi. D'accord. Donc du lundi au vendredi, tu khadem? Ben, en fait, du lundi au vendredi, je travaille. Et le samedi, je fais mon VSD. Samedi, après, dimanche lundi, samedi, dimanche, et du lundi au vendredi. Ah, donc c'est un SD?
Ouais, voilà, SD. C'est un SD, c'est pas un VSD. Eh ben Ouais, frérot, putain! il y a quelques vendredis que je dois faire de temps en temps quand ils ont besoin, mais... Et tu fais comment, frérot? C'est-à-dire pour gérer la vie de tous les jours? Ben, j'ai rien, frère. Voilà, la femme, elle est à la maison avec les gosses. Et moi, je Alhamdoulilah, travaille. frérot! Rajel, Tu vois? wallah l'alim, frère! Wallah, wallah, wallah! Mais frérot, tu fais ça maintenant. Est-ce que tu dois des sous, là, encore? Non, non, alhamdoulilah, j'ai tout payé. Ben, j'avais fait... En fait, j'avais commencé à faire ça, à travailler du lundi au vendredi pour Alhamdoulilah! payer mes dettes. Et maintenant que j'ai Alhamdoulilah! fini de payer mes dettes, ben, j'ai dit, ouais, je continue pour peut-être investir au bled ou acheter des trucs, tu vois. Acheter un ou deux commerces Alors, là-bas ou un ou deux appartements. frérot, entre nous, tu sais, c'est intéressant de savoir, parce que moi, je l'ai fait, ça. Je l'ai fait pendant 9 mois, en 2012. Mais j'avais un mi-temps, je travaillais de nuit chez UPS, et j'avais un mi-temps, c'était un mi-temps. Je travaillais 3-4 heures, et je travaillais la journée en normal, en horaire décalé. Je travaillais chez Arrivalstom. Tu fais combien, frérot, en tout? Le mois. Moi, Tu fais combien en le tout, mois, frérot? en Ouais. tout, avec mes deux emplois. Oui. La semaine, je travaille au Luxembourg, je suis à 2008. Et là où je travaille actuellement en VSD, je suis à 2000 euros. En tout, j'ai 4008 avec les primes, Putain! des fois, je suis à 5000. C'est de la Après, production que tu regarde. fais, frérot? Ouais, C'est je du suis dans travail à une la usine. chaîne? Là, dans une usine, je travaille. C'est assez tranquille? Ouais, c'est tranquille, quoi. Je fais mes pauses comme je veux. Ah, elle est Tant que le belle. taf il est fait, Wallah, en elle est fait, je belle. peux faire mes pauses, quoi. Ah, non, en fait, ce qui est important de savoir quand tu fais deux tafs, c'est que si t'es un taf où tu dois lever le doigt pour aller pisser pour qu'on te remplace. Non, si toi tu me dis tu prends tes pauses comme tu veux, 4008, wahakarabi, elle est belle. Et quand t'es en SD, ou aussi t'es dans une boîte où tu peux, où tu travailles pas trop, où t'es au calme. Ouais, après, je t'explique, la plupart des gens avec qui je travaille en SD, bah, la vérité, la plupart, ils se font des trucs la semaine. Il y en a, ils ont des restaurants, il y en a, ils travaillent au black, il y en a. Tout le monde fait quelque chose, en fait. Tu vois, la plupart, en fait. Tu vois? 5 000 euros par mois, Rabbi Zidek, frère, la femme, elle... Eh, mais non, y'a, voilà. Tu as combien de gosses, frérot? J'en ai trois. Deux garçons et une fille. Mashallah. Et alors, Je suis algérien. frérot, ce qui est intéressant, tu gagnes 5 000 euros, tu fais deux tafs. Donc, alhamdoulilah, je pense que la dame, elle doit être la madame. Excuse-moi. Je pense que la madame, elle doit être au top avec toi. Aux petits soins, elle est tout à la bien. Ouais, après c'est dur pour elle parce qu'on se voit rarement, je travaille tout le temps, quoi. Ouais, mais on s'en fout de En plus. ça. À la Ouais, bah rigueur, oui, pour on moi s'en je bat m'en les fous, mais couilles. pour elle, elle Non, mais part on s'en sur bat le les couilles. délire. Non, mais on s'en bat les couilles dans le sens où, ne t'inquiète pas, chérie, je fais ça, on prendra des vacances, Inch'Allah. Puis combien de temps tu travailles avec ce rythme-là, là? Là, ça va faire 2 ans, là. Putain! Ça veut dire que ça Deux fait ans. 2 ans, rouillard, t'as pas pris de congé ou de... Si, des fois je prends des congés, ben, parce qu'en fait je travaille en intérim la semaine au Luxembourg, tu vois, je suis frontalier. Ouais? Et à l'usine où je suis en CDI. Donc quand je prends mes congés par exemple 3 semaines, ben, je vais Ouais? travailler au Luxembourg les 3 semaines de congé, tu vois. Dis Après, mais Wallah, tu pars pas en vacances? des fois je pars ici, si, ça m'arrive, mais là avec le Covid et toute la merde, ça fait 2 3 ans que je suis pas parti. Ils ont alors les enfants, frérot, ils auront quel âge? La petite, elle a 8 ans, le garçon, elle a 7 ans, et le dernier, il a 5 ans. Ouais, c'est des enfants en bas âge, bon, enfin en bas âge, bon. Et sinon, au niveau de la femme, quand tu pars redem, elle a la CB et tout, frérot, hein? Bah oui, ça c'est l'euphoria. Même il arrive quelque chose au gosse, ou si elle, elle doit bouger, elle a une urgence, il ne faut pas la laisser sans rien. Non, elle a l'argent, soit je laisse du liquide, soit la CB. Et moi, je fais ce que j'ai à faire de mon côté, tu vois, il faut qu'à la maison, ça Frérot, soit elle se pareil, t'as plaint. tout. Alors toi, tu m'as dit, elle se plaint parce que vous voyez pas assez. Toi, dis-moi Ouais, ce que c'est tu juste lui ça. réponds. Hein? Toi, dis-moi ce que tu lui réponds, frérot. Moi, je dis c'est un mal pour un bien, frère. Hein? C'est ce que je veux dire. C'est un mal pour un bien. Je dis, moi, mon rôle, c'est d'assumer la famille. C'est pas de rester couché sur le canapé à regarder la télé. Tu vois ce que je veux dire? Je veux qu'il manque de rien, en fait. Mais aussi, j'ai des projets. Si je fais ça, c'est pas pour palper ou pour acheter une voiture à 30 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Inch'Allah, tu comptes investir au bled? Ouais, ben là j'ai investi là. Ben, en fait, moi je suis algérien, ma femme elle est marocaine. Mashallah.
En Algérie, j'ai voulu investir, mais c'est trop cher. Alors j'ai investi au Maroc, tu vois, j'ai acheté 2 appartements et 2 hanouk là-bas que j'ai mis en location. Et là, j'attends encore un peu, peut-être que je vais prendre un truc, j'attends avec le Covid. Wallah l'adim. Alors CDI, intérim, oui, Fekir. Fekir, ferme-la, bien sûr que tu peux le faire. Moi, je le faisais, la tête de ma mère. Par contre, ce que tu peux pas faire, c'est être, avoir deux CDI. Je sais pas si tu peux. Alors, 2 CDI dans la même convention, genre la convention de métallurgie, je sais pas si tu peux le faire. Mais putain. Ils m'ont proposé un CDI au Luxembourg. Ils t'ont proposé un CDI au Luxe ? Ouais, et t'as refusé ? Ouais, bah oui. Mais t'as refusé par rapport à quoi, frérot ? Parce que je suis en CDI en SD, tu vois. Je n'ai pas signé un CDI aussi au Luxe. Mais t'es en CDI où ? T'es en CDI ici en France ? Oui, en France. Et je travaille en intérim au Luxembourg. Et voilà ! Au Luxe, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un CDI au Luxe, frère ? Ben, j'avais peur, en fait, d'être trop serré, avoir des menottes. Tu vois, poser tes congés, si ça, ça. S'il y a un problème à mon autre CDI... Ah non, 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 non. Alors, attends. Tu parles à un intérimaire, Bassem, 20 ans, intérim. Alors, oui, moi, j'ai toujours privilégié l'intérim liberté de mouvement. Quand tu es dans un créneau industriel où tu sais qu'il y a du travail pour toi tout le temps, c'est bien de rester intérimaire, c'est très important. Mais toi, tu es un malin, tu es un bon, tu as un CDI sûr et ce qui vient à côté, c'est des extras. Combien tu arrives à travailler au Luxembourg sur 12 mois ? Sur une année complète. Tu travailles une année complète en intérim ? Non, pas une année complète. Non. Des fois, je demande en intérim, j'appelle la boîte, je dis quand vraiment je suis épuisé, je dis ouais, lundi, est-ce que je peux avoir congé ? Une belle congé, tu vois. Histoire de récupérer un peu un jour dans la semaine, ou deux jours dans le mois, j'essaye d'avoir un congé. Surtout quand je suis. Alors, attends, excuse-moi. Alors, pour répondre à la question, alors, E180, 20 ans intérim, Bassem, la même boîte, oui. En intérim, oui. Avant, j'étais chez Adia. Adia qui est devenu, eh ben, Adeco. Avant, il y avait Eco. Après, il y a eu Adia. Et Adia est devenu, ben, Adeco. Et moi, j'ai toujours été Adia, Adeco. Toujours. Ouais. Ouais. T'es frontalier, frère ? Ouais, je suis frontalier, ouais. Ok. Alors, je réponds à CyberFox. Si je pourrais rester intérimaire toute ma vie, oui. Avec plaisir. Ah oui. Ah oui. Combien tu faisais ? Alors, quand je travaillais à UPS en 2012, je faisais de 23h à 2h du matin, je faisais 1 200 € le mois. C'était un mi-temps. Et en même temps, je travaillais chez Areva Alstom, je faisais les équipes avec les primes et tout, j'arrivais à 1 800 € le mois. Donc, en 2012... Je faisais 3K. À l'époque, c'était énorme. Voilà. Tu vois, je travaillais, voilà. C'était ça, moi, à l'époque. La vie, elle était moins chère à l'époque aussi. Moins chère, un paquet de clopes était à 6 boules. Ouais, et encore. Je me rappelle, les paquets de clopes, les paquets de 10, là, 2 euros, c'était 2 euros, on les payait, les paquets. Un paquet de 10, ya hasala, frère, ça, c'est... ya hasala. Ouais. Alors, attention, pour ceux qui me... Moi, j'avais un rythme, ya latif. C'est-à-dire... Écoutez-moi bien. Quand je finissais à 3h du matin et que je devais reprendre chez Areva Alstom à 6h du matin, je rentrais chez moi. Je mangeais, je ne dormais même pas. Je mangeais, j'allais chez Areva Alstom. À Areva Alstom, je finissais à 14h. Je rentrais chez moi épuisé. Je dormais de 15h. Jusqu'à 23h pour reprendre chez UPS. Quand j'étais de l'après-midi, je finissais à Areva Alstom à 22h. J'allais sur le parking d'UPS jusqu'à 23h. Je faisais un renouf et tout. Je buvais un caf. Et 23h, je rentrais. Ma meilleure semaine, en fait, c'était ça. Je rentrais à 3h du matin. Je dormais pour me lever à midi pour reprendre le travail chez Areva Alstom. Sur la tête de ma mère. C'était ça, moi, avant.
C'était comme moi, ça. Moi, ce qui est le plus dur, moi, ce qui est le plus dur, c'est le dimanche quand je suis en nuit, je rentre à 6h. Starfana. Du taf à 6h, je pars directement au Luxembourg travailler. Mon frère, le samedi, le samedi quand je travaillais pas, wallah l'adim, je ne sortais pas de chez moi tellement j'étais épuisé. Je regardais Columbo, des séries bizarres. Non, c'était chaud. C'était chaud. Wallah, c'était chaud. Wallah, c'était c'est chaud. C'est passager. Hamdoulay, c'est passager, mais Hamdoulay, moi, la Mra, elle me dit, un chinois. Elle me dit, des fois, j'arrivais, j'allumais la télé, je m'allongeais, je sentais encore le carton. Il fallait que j'y allais. Wallah l'adim, hamdoulay ya rabbi frérot. Hamdoulay. Ah ben. Voilà, en tout cas frérot, t'es un bon. Et puis rabbi zedek, et surtout, fais attention à ça frérot. Profite un peu, Inch'Allah. Ouais, voilà. J'attends une fois que mes projets sont mis en place et que je suis appelé. Inch'Allah khir pour tes projets frérot, t'es un bon. Wallah, t'es un bon. Rabbi zedek. À la prochaine, Inch'Allah. Merci frérot, barakallahu fik. Salam alaikum, t'es un bon. Bon, mesdames et messieurs, on revient demain, on fera un Samedi Night Fever. J'ai faim, il faut que je mange. Et que je me repose un peu, tiens. Salam alaikum, les gens, vous êtes des bons. Wallah, vous êtes des bons.